salut à toi ça trappe ah, alors il reste 7 minutes super est ce que je suis prêt non du tout n'importe quoi alors micro bla bla fait le micro bla fait-je au micro hmm, battu bien allez vous bien les gens bon c'est le bordel ici pas bien rangé c'est n'importe quoi c'est pas grave De toute façon, qui s'en fout si c'est bien rangé? hein et live, c'est toujours le bordel. Je vois Pas pourquoi ça changerait, <laughs> ça va forcément être n'importe quoi. Ah, T'es pas prêt, tu vas manger des pommes duchesse. sont des vraies pommes duchesse faites avec soin et avec amour par toi ou des saloperies surgelées que tu vas poser sur une plaque en métal au four à toute vitesse? À vous, criminel. C'est chiant à faire les pommes du chess. Hein. Comment ça Non. Ça frappe, tu es bien conscient que non ne répond pas du tout à la question que je viens de poser. Elle ne pouvait, pouvait pas y répondre par un oui ou un non. Alors Non. Parce qu'il y avait une alternative. Donc, euh, du coup, je suis perdu. Ah, c'est des saloperies de surgelette. <laughs> tu sais quoi Je m'en doutais. Je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas de préjugés, mais je sais que les pommes du c'est chiant. J'en ai fait une fois, c'est casse-couille. Casse Il faut déjà faut avoir un bon petit tour de main pour faire correctement la poche à douille. Moi je suis nul, à la poche à douille, c'est toujours raté. Avec du ketchup, ah oui, non mais vraiment, tu... c'est un repas de dégueulasse. Mais hein ben c'est du propre, ils sont jolis les esthètes, tiens. C'est juste une purée, non, pas seulement. Il y a de l'œuf dedans. Euh, et puis, si possible, tu essaies de les rendre un peu euh, aérés. Euh, si, donc, si je me souviens bien, l'incorporation de l'œuf se fait quand même avec un œuf au moins battu, un peu, pour essayer de lui donner fermeté et consistance euh, à ta purée de pommes de terre. Et puis après, poche à douille, four. Euh, je crois qu'il faut un petit peu de parmesan dedans pour euh, aider à faire croustiller le bordel. Bon, c'est pas une simple purée. Euh, à ma connaissance, vieux souvenir, hein. un peu relou, mais c'est pas relou, c'est juste c'est du temps, voilà. et en tout cas c'est du temps quand on n'en fait pas souvent, Tiens, ben je fais souvent des, euh, comment des des pâtes maison, des pâtes fraîches maison, c'est du temps au début, après quand on fait souvent, c'est pas, pas tellement plus long que de foutre des barrières dans une casserole, mais au début c'est l'enfer, tu rates tout le temps, t'en fous partout, tu casses ta pâte, t'es nul, voilà. ça dure un moment comme ça, 3-4 fois tu rates, et et puis après, bah, euh, ça se fait comme ça. En claquement tu fais, hop hop oh, Si je me faisais des petites pâtes fraîches, bah, je pense que ça doit être pareil pour les pommes duchesse. Euh, les trois quatre premières, t'en fous partout elles ressemblent à rien, c'est de la merde. Elles sont trop liquides elles s'écrasent comme des merdes sur ta plaque au four. Euh, après, elles sont trop dures parce que t'as essayé de rattraper le coup. Et donc, tu te dis Ah ouais, non, je vais faire autrement tu fais autrement. Et t'as des petites boules dures, dégueu, ratatinées sur ta, sur ta plaque. Et puis au bout de 4 fois, tu es le dieu de la pomme duchesse. Voilà ce qui arrive dans la vie. C'est en pomme du chesson qu qu'on devient euh, forgeron, en quelque sorte. Voilà, c'est pas encore commencé que je dis déjà n'importe quoi, ça promet ça encore. Ne ris pas, ne m'encourage pas à dire n'importe quoi, ça n'est pas bien. Ça n'est pas une vocation. C'est censé être une chaîne... Euh, Spirituel, intellectuel, vous faites attention à tout, tu parles. Le Tollier est un gros débile, voilà la vérité. Un escroc Lumiste euh, Si je rangeais un peu ici, parce que j'ai foutu de ces documents. Donc ce soir, ça devrait être plus simple parce que j'ai pas de documents à poser sous la caméra 2. Donc il n'y a qu'une caméra. Alors, est-ce que c'est pas Paul Duchesse qui est mort de gorge profonde sur son siège de président du conseil Ah bah si tu t'y mets aussi, on n'est pas sorti de la merde. Alors, on voilà deux. Bon, deux couillons. Avec Jolie, si tu me diras, on est en août, faut être con quand même. Faire, tu fais des lives, tu vois, en ce moment Faire des lives en plein mois d'août, quand tout le monde va baigner son cul. Il y a bien d'autres choses à foutre que de regarder euh, des émissions consacrées euh, à l'art et la politique en 1919. Quelle drôle idée tu en fais Bah dis donc, quel courage T'aimes Pas la mer ni le sommeil, Attends, ouais, tu pourrais, aimer, mais je sais pas, la randonnée, la montagne, euh, la promenade, euh, la campagne, euh, d'autres trucs. Es pas Obligé d'aimer la mer, s'en fout en tout cas, les vacances, quoi. Tu vois, les moments de rien foutre, non, j'aime rien, d'accord. Grand classique, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la campagne, alors allez vous faire foutre. La campagne, ouais, mais il y habiter. Bah ben oui, c'est ça. C'est mon cas. J'avoue que c'est plutôt la, la promenade devrait l'emporter sur le désir de live. Mais je veux dire que si je fais pas de live du tout, c'est complètement con. Hein. Je vous abandonne. Et en fait, est-ce que c'est si grave Est-ce que vous n'avez pas une super envie d'être abandonné Vous n'avez pas grand-chose à branler, en fait, des lives. Je vois. Pourquoi je m'obstine en plein mois d'août à faire des lives C'est débile. Et euh, je crois que j'y prends du plaisir, en fait. La, la, la vérité, la, la vraie, la vraie triste vérité, c'est que ces temps-ci, je suis tellement feignasse que je ne lis rien du tout. Voilà la vérité. Je lis que dalle. Alors, s'il n'y avait pas les bouquins que je vous lis... Pendant les lives, je ne lirai pas une ligne de quoi que ce soit. C'est lamentable. Oui, c'est ça. Pourquoi Pourquoi m'as-tu abandonné Voilà ce qui se passe. Donc en fait, je ne fais ces lives que pour lire quelques lignes en votre compagnie. Sinon, je crois que je me dégraderai complètement. Je m'abandonnerai à l'inaction intellectuelle totale. Et je deviendrai l'ombre de moi-même, l'ombre de ma main, l'ombre de mon nom, l'ombre de mon chien, enfin toutes ces sortes de choses. C'est pareil, tu lis pas si tu lis pas en live. Bah ben oui, moi, c'est aussi c'est un peu ça. J'ai envie de tellement rien. De tellement que dalle. Si, si vraiment je me laissais faire mon inclination naturelle du moment, bon Dieu, que je ne foutrais rien. C'est <coughs> terrible. Voilà. Ben c'est terrifiant. Salut, Eric. Petit passage. Tu es à Brême. Ah bah ben oui, c'est le moment de ton festival en ce moment, c'est ça C'est le festival de Fonzineux, festival de bande dessinée, toutes ces sortes de choses, là. Hein. Ça doit être chouette, petit vénard. Ici, il y a euh, bientôt quelques petits salons. Il y en a un euh, le 25 à Saint-Malo, 25-26 ou 26-27, je sais plus. Euh, le Wales Inn. Et puis, euh, sinon, euh, le 31 à Redon, il y a un machin dans un jardin. J'ai oublié le nom, qui a l'air sympa. Une première année. Tu participes à un workshop super-héros. Oh! Bah, Peut-être qu'un jour, j'irai à bah, Brême, si loin. Ah, le festival lui-même est en octobre. Ah, autant pour moi que j'avais pas pigé ça. Le festival est en octobre, il y a un autre truc en attendant. D'accord, d'accord. Alors, où j'en étais, moi J'étais à la page 33. Je crois que j'avais fini le dernier texte la dernière fois. On, oui, c'est ça. On avait conclu sur une fin de texte. Donc, on n'a pas de texte en suspens. C'est ça qui est bien. C'est qu'on repart de zéro. On va pouvoir... Euh... Commencer un texte ensemble ce soir, voilà, euh... c'est un stream avisé, je ne te le fais pas dire, ça trappe, c ce, c ce, il manque vraiment pas d'esprit ce robot, contrairement au taulier de la chaîne. Euh... Bonjour de Grégor, ben bonjour à Grégor, tout simplement, et bonjour à tous ceux et celles qui s'amusent à Brême. Pendant ce workshop super héros. Donc bonsoir les gens. Donc Je suppose que bon un, nous serons en petit comité ce soir, ce qui est bien normal. Puisque nous sommes en plein mois d'août. Il y a une petite merdouille sur ma caméra qui dépasse. C'est nul. Qu'est-ce que c'est que ce travail de dégueulasse Hop, voilà, c'est bien le moment de retoucher. Voilà, normalement il n'y a plus. Et hop, voilà. Euh, <coughs> Excusez-moi, je m'égare. Voilà, le setup est à peu près clean. Normalement, la transparence est moins crado que la dernière fois. C'est un travail de cochon, comme j'en avais pas vu depuis mes tout débuts sur OBS. J'avais un peu merdé dans la gestion de la lumière et de la couleur de transparence. Donc ce soir, on va continuer le travail de lecture que nous avions inauguré avec un texte de George Gros, je crois qu'il y avait d'abord un texte de présentation générale de l'ouvrage, l'ouvrage c'est toujours le même, hein, c'est l'art est en danger, euh, qui réunit des textes de Gunther Anders, Georges Gros, John Hartfield et euh, Herzfeld, euh, donc le frangin de Hartfield, le collagiste. Je vous ai présenté déjà deux fois le bouquin, donc je ne vais pas le faire une troisième, je ne sais pas s'il apparaît à l'endroit ou à l'envers pour vous, il y a un gros problème, c'est qu'il est vert, donc il doit être un peu transparent, forcément Puisque l'incrustation se fait sur du verre, donc c'est raté. Euh, l'art est en danger, qui a été publié par Alia, hein, qui commence à avoir une jolie petite collection de textes sur l'art que je ne saurais que trop vous conseiller à, à aller fouiner. Alors, c'est relou avec ton rythme nocturne, tu stream presque en même temps que moi. Ben bah oui, c'est ça. Et là, tu peux pas rester parce que tu vas, euh, tu vas aller faire ton, pro ton propre live. Salut à toi, Sarah. Bonjour à toi. Bon bah, écoutez. Je, on dit au revoir à, enfin, très bientôt, Satrap va nous quitter qui va aller lui-même euh, faire son live. Donc j'imagine qu'on finira avant lui, donc j'imagine qu'on finira chez lui, enfin voilà, comme souvent. Euh, Qu'est-ce que tu fous ce soir, Satrap Qu'est-ce que tu présentes à ton, à ton public ce soir de beau tu veux, vous, vous matez des films et des petits téléchats euh, en guise d'apéritif. Alors, toi, est-ce que tu aimes bien dire des conneries j ai, j ai ici Et puis écoutez, bah, ce soir, ça peut être pas mal. C'est des textes un peu offensifs. Il y a que les précédents l'étaient déjà. Euh, là, c'est plutôt des textes satiriques et agressifs. Euh, il y en a un sur Paris, Capital de l'art, qu'on aura le temps de finir parce qu'il est remarquablement court. Et les deux suivants s'attaquent finalement à une portion des artistes allemands et autrichiens de, contemporains, de, <coughs> contemporains de Hartfield et Gross. <laughs> Au moment où le texte s'écrit, c'est-à-dire en, en, autour de 1919, hein, et ils s'en prennent notamment à, à certains courants expressionnistes, en tout cas à certains artistes expressionnistes comme Kokoschka, dont on avait regardé les belles toiles euh, la dernière fois. Donc c'est les shadow c'est temps plutôt que Téléchat, les, les intermèdes. Ok, Vous lisez toujours David Graber et Vittorio de Seta. Ah, je ne connais pas Vittorio de Seta. Et Vampire, d'accord, hein, beau film, Vampire. Très, très beau. Le Dreyer, j'imagine. Bon, bon, bon. Euh, genre expérimental agraire. Ok. Et bah ben, euh, dans le genre expérimental un peu comme ça, euh, curieux agraire, il y a les, les tempestaires, c'est ça, hein, de Epstein. Très, très étrange atmosphère. Euh, une espèce de tentative euh, de, de plongée dans, dans la vie. Euh... Un peu rude euh, des pêcheurs, mais mais euh, par la branche, de, par le biais du fantastique, dans le truc, dans mes souvenirs, enfin, ça fait bien longtemps. Hein. Euh... Ah bah Epstein est prévu pour demain, bah tu vois. On parle la même langue, ça trappe, ça m'étonne toujours. Euh, donc ce soir, je continue la lecture de Gross, euh, et là, le premier texte que je vais vous lire, est un texte coécrit par euh, Wieland Herzfeld, donc l'éditeur de ces gens. Et qui est le frangin de John Hartfield. Alors, je ne vais pas me replonger avec vous dans les, euh, dans les travaux de ces deux oiseaux, tout simplement parce que dans les, précédents, euh, les précédentes lectures, on a déjà largement abordé ça, donc je ne vais pas non plus radoter. Alors, si jamais vous ne saviez pas qui sont ces deux oeuvres, hein, euh, Georges Gros et Hartfield, après tout c'est possible. Hein, dire, y a la, la, la construction euh, culturelle, c'est un chaos, hein, c'est rarement linéaire, donc il y a. On peut tout à fait euh, passer une vie entière en passant à côté de choses qui sont évidentes pour d'autres et qui pour nous bah, ne sont pas arrivées, tout simplement. Donc si vous ne connaissez pas du tout Artfield et Gross, bah, je vous invite tout simplement à aller sur la chaîne YouTube pour vous mater les, euh, les deux précédents volets de ces lectures. Voilà voilà. J'ai foutu ça en ligne il n'y a pas longtemps, notamment pour vous permettre de rattraper un petit peu tout ça puis revoir les images. Ce soir aussi normalement pas. On va, on va voir pas mal d'images, euh, parce que tout simplement le, les textes font souvent allusion à des artistes contemporains de ces, ces oiseaux, donc c'est plutôt pas mal de regarder euh, ensemble de qui ils parlent. Et dans l'eau, bah, il y a des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Euh, et même si vous les connaissez, vous serez de toute façon euh, ravis de les revoir. Puis on va parler de revues aussi, qu'on ne voit pas forcément beaucoup. On en parle beaucoup. Mais au fond, on n'a pas beaucoup enfin, de... de volume entre les mains. Pour la bonne raison, c'est que les... les exemplaires sont un peu rares. Pour l'assiette au beurre, ce pas le cas. Mais pour les autres publications, ici, ça l'est. Donc ce sera agréable de regarder ça ensemble. Et ben, rien du tout, ben, rien, on va se lancer, je crois que c'est tout, parce que je ne vais pas vous faire une, une espèce de, de, de digression de pur principe pour juste sacrifier à la règle qui veut qu'ici les ouvertures soient interminables et qu'on commence toujours à la bourre, parce que parce que c'est pas obligé, il ne faudrait pas non plus que cette habitude en, en devienne une, vraiment, on ne va pas faire ça. Donc je vais commencer relativement tôt, ce qui nous permettrait, si on avance bien, de nous taper trois petits textes qui seraient quand même assez cool. Alors, euh, le troisième euh, il est quand même un peu long, donc il euh, n'y a aucune chance pour qu'on le finisse, je pense. L'idée, ce serait de lire Paris, capitale de l'art, hein, de Gross et Hersfeld, euh, suivi d'un autre texte de Gross et Hersfeld qui s'appelle Au lieu d'une biographie, euh, et qui s'achèverait par La canaille de l'art, donc toujours chez Gross et Hersfeld. Cette fois-ci, non pas Hertzfeld, mais son frangin, collagiste de génie, affichiste incroyable, John Hartfield. Voilà, voilà. Donc, si tout va bien, on a lu, on va lire tout ça. Alors, si j'étais un peu moins nounouille, j'aurais été m'encombré d'un verre d'eau, parce que sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais me dessécher une fois de plus. Eh ben je vais plutôt aller chercher ça tout de suite avant de commencer, ce qui sera. Euh, comme ça, j'aurais pu bouger mon cul avant de commencer la lecture. Hmm. Ok, ok, cette fois-ci, c'est la bonne. On est prêt. Paris, capitale de l'art, par Gross et Herzfeld. La France a depuis toujours fait figure de mec des artistes allemands qui partaient y peaufiner leur identité de peintre. C'est notablement vrai à partir du 18e. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas. Je pense que l'Empire le, le, a connu quand même une certaine autonomie créatrice pendant un certain temps, mais l'idée que de Paris comme foyer artistique va beaucoup exploser à, à partir du moment où les autres grandes capitales de l'art vont plus ou moins s'émietter. Je pense évidemment à Rome et Florence ou tout simplement les, les grands centres créatifs hyper importants qui ont été alors. Euh, aussi à leur époque, euh, l'Espagne ou le Portugal, qui vont euh, à partir du XVIIe perdre un petit peu de leur prestige et de leur, leur empire hein, sur euh, le monde des arts. Là, la France va largement prendre le relais, notamment avec la création de l'Académie au XVIIe. Euh, D'une certaine manière, la, la France va s'imposer comme une espèce de, de euh, gouvernement du goût, disons ça euh, comme ça. Mmh. Donc, euh, l'époque dont parle, dont parle Gross et Herzfeld, plus que jamais, voit euh, Paris, notamment, puisque c'est pas la France, ça veut rien la France, tout le monde s'en bat les steaks, euh, à cette période, c'est juste une espèce d'incarnation de, de l'art dont le siège est pensé comme parisien, au moins assez pour que. Euh, euh, il n'y a pas que Grosse et Herzfeld euh, et et à s'en prendre à cette idée, donc à devoir se sentir euh, obligé d'écrire un texte critique sur cette prétendue super, suprématie de l'art parisien, parce que juste ça les gonfle. C'est des choses qui vont euh, réveiller beaucoup, euh, notamment aux États-Unis, à partir de réchaud, euh, la pensée et l'art américain, qui prendra rapidement sa, sa revanche hein, dans l'après-guerre. Et euh, c'est également vrai, des fois, dans des, des zones, faut, a, je dirais, dans des. Des espaces plus isolés, plus invisibles, puisqu'il y a un, un très, très beau euh, texte et tableau euh, de, de, de euh, Antoine Wirst, qui s'appelle Bruxelles, capitale de l'art. Un, un texte assez chouette, euh, qui euh, dis dispute cette suprématie parisienne avec pas mal d'ironie. Bref, il euh, y a pas mal d'artistes, je pense, dans l'Europe à ce moment-là, qui s'agacent un peu euh, de cette... Euh, centralité parisienne qui est plus ou moins juste. J'ai plus ou moins parce qu'évidemment il y, euh, y a une part de, de vérité euh, qui vient aussi du fait qu'elle est, elle est auto-réalisée. À partir du moment où il est entendu que Paris est la capitale de l'art, bah, des artistes du monde entier viennent à Paris alimenter cette espèce de, de puissance de la création parisienne avec des apports extérieurs. Donc euh, la, le marché s'y constitue en force, donc pour pouvoir exister en tant qu'artiste, bah, il vaut mieux être là où le marché se constitue en force. Et en termes de circulation des idées, bah, il en va de même. Ça devient une vraie matrice euh, des avant-gardes du début du XXe siècle. Voilà. C'est plus que jamais vrai, en tout cas à l'époque où écrivent nos deux oiseaux. La France a depuis toujours fait figure de mec des artistes allemands qui partaient y peaufiner leur identité de peintre. De nombreux grands talents. Ils vivaient et y travaillaient, attirant une multitude d'étudiants en art venus de l'étranger. Des dynasties entières de peintres vinrent y chercher leur formation artistique. Des maîtres, tels Thomas Couture, qui formait directement des célébrités, devinrent des professeurs loués et fêtés dans le monde entier. De nouvelles écoles apparurent qui remportèrent un énorme succès, tandis que les grands dons qui en sortaient leur conférèrent prestige et renom. Bon, ça à l'époque en 1919, où ils écrivent, les choses sont déjà euh, en train de changer. Je veux dire, il y a déjà de nombreuses écoles euh, qui sont soit très littéralement euh, des écoles, hein, comme euh, le Bauhaus euh, qui, va, qui va se construire. Je vous ai longuement parlé du Bauhaus la dernière fois de, de Walter Gropius, un truc dont on a causé qui, bah, qui se crée euh, pas loin de cette période là. Je crois qu'il apparaît en, entre 18 et 19 euh, à Weimar. Donc euh, c'est cette, cette forme d'organisation collective sous forme d'école au sens très littéral pour, euh, comment pour le Bauhaus et puis des fois au sens purement métaphorique d'un groupe qui se constitue avec des manifestes, avec euh, une vision, avec des, euh, des, des élèves ou en tout cas avec une contamination intellectuelle autour d'eux. Salut Louisa, euh, cette chose fleurit dans euh, le monde entier. À ce moment-là, c'est un moment extrêmement riche et très important de peut-être de décentralisation d'une certaine façon. C'est qu'il y a des avant-gardes très importantes qui explosent à ce moment-là et qui font école, hein. je pense au futurisme russe, au futurisme italien. Bon, on a déjà parlé un peu ensemble de toutes ces grandes, des grandes choses qui traversent l'histoire de, de la création au, dans les années 10-20 du 20 siècle. Donc, la concurrence commence à être très rude à l'égard de cette prétendue centralité parisienne. Cette centralité ne va pas cesser de s'émousser et deviendrait un, un vieux vestige assez, assez ridicule dans les années 40, puisque Paris se pensera encore comme capitale artistique du monde, alors que ben, ce ne sera déjà plus vrai. Voilà, voilà. Dans l'après-guerre, évidemment, c'est carrément très, très marquant la, la suprématie. Euh, à la fois euh, dynamique, créatrice euh, et, et même euh, stratégique hein, des, des États-Unis, l'a emporté euh, très largement. Bon, C'est une autre histoire, C'est pas encore depuis là que parlent Gross et Herzfeld. C'est ainsi que Paris acquis progressivement la réputation de véritable centre artistique du monde. On y retrouvait tous ceux qui voulaient s'assimiler le véritable esprit de la peinture et ses ultimes raffinements. Il bon, faut dire aussi que dans les avant-gardes françaises, euh, qui ne s'appelaient pas encore avant-garde à ce moment-là, donc de la fin du XIXe, on va dire les, les courants artistiques importants qui vont euh, structurer finalement cette, cette pensée émergente de la modernité plutôt. Plutôt que des avant-gardes, parlons comme ça, le terme est encore assez impropre. Ce c'est pas, pas des mouvements avec manifestes, avec euh, cette espèce d'organisation, euh, justement une espèce de stratégie d'occupation du territoire artistique. C'est plutôt des pensées et des productions qui euh, associent des créateurs à certains moments. Bon, vous les connaissez plus ou moins, ça peut être Arsène Craft en Angleterre et en France, ça va être essentiellement euh, les mouvements euh, plus ou moins dérivés de la, de la fin du romantisme hein, qui vont faire émerger. Bah, Soit des pensées théoriciennes assez puissantes, hein, comme euh, celle qu'on appelle pointillisme, hein, qui serait plus juste d'appeler chrismo-luminariste pour leur euh, socle théorique, donc autour de Sora ou de gens comme ça, puis de Signac ou, euh, ou de gens comme ça, donc qui, qui tirent euh, parti euh, de plein de changements radicaux autour d'eux notamment d'avancées scientifiques pour cela euh, et puis d'autres euh, mouvements que vous connaissez bien qui, qui naissent bah, d'une certaine confrontation euh, on va dire assez agonistique, assez rude assez combative avec le pompierisme, l'académie bourgeoise qui veulent en découdre avec elle, en finir en tout cas avec euh, ses directives, ça va être l'impressionnisme, ça va être le groupe des nabis euh, autour des copains de Gauguin ça va être euh, bah, toutes ces choses quoi, qui explosent à ce moment-là, et puis les œuvres un peu isolées, et puis le mouvement symboliste, bref, beaucoup de choses qui naissent effectivement en France et puis qui vont produire un certain nouveau rapport à la question artistique. Un rapport qui va beaucoup se fonder sur la question critique, c'est-à-dire l'aptitude de l'art à affirmer la position critique des œuvres euh, comme questionnement finalement du territoire même de production. Toutes ces œuvres font ça, elles questionnent euh, d'une certaine façon l'idée d'une production euh, à la fois transcendantale et homogène, telle qu'on a toujours conçu un peu idéalement euh, le rapport à la production artistique à travers le siècle. Et là, elle, elle explose, elle morcelle elle se morcelle au, au 19e siècle avec d'autres perspectives, avec une espèce de polyphonie comme ça, à la fois poétique et intellectuelle. Et évidemment, ça va bouleverser. Bah, le reste du monde à ce moment-là, euh, qui vont voir émerger en France un certain type de questionnement. Quand je dis le monde, notre brave petit monde, hein, je pense que les Japonais, euh, les Chinois n'ont pas grand-chose à carrer de nos conneries, euh, et ce n'est pas les seuls. Dans, dans notre petite portion de territoire auto-centré qui galope des États-Unis, disons, jusqu'à la Russie à l'époque, puisqu'elle est très intégrée à ses perspectives. On peut dire que pour ce qui est du culte de la centralité artistique de la France, la, la Russie n'est pas pour rien, et notamment Saint-Pétersbourg. Bon, ça aussi, ça va bouger évidemment avec les avant-gardes russes du début du XXe siècle. Bon, en tout cas, le XIXe est regardé comme ce foyer et ça va, ça va durer jusqu'aux années 20 du XXe siècle. Voilà encore. Les derniers grands mouvements naquirent à Paris. L'impressionnisme, avec son état-major de talent éblouissant, l'école de Fontainebleau, plus tard le pointillisme, puis le cubisme, voilà, il en parle également, hein, etc., exercèrent dans le monde entier une énorme influence sur les artistes les plus jeunes, mais aussi sur de nombreux autres plus mûrs. Rien d'étonnant à ce qu'on chanta les louanges de Paris et de toute son atmosphère si manifestement favorable aux artistes. Aujourd'hui, après de longues années de fermeture, de mensonges de la presse et d'inflation, ils sont à nouveau les artistes et commis voyageurs littéraires qui partent en pèlerinage pour Paris, mais de, munis de toutes sortes de lettres d'introduction et de recommandations, ils hantent ateliers et maîtres pleins du vieux préjugé romantique, qu'ils arrivent dans la mère patrie de l'esprit véritable. Alors, la mère patrie de l'esprit véritable, c'est plutôt une expression allemande. Hein. J'ai l'impression d'entendre la voix de Hegel qui tremble sous celle de de grosse. Euh, Pareil à des abeilles qui trempent partout leurs trompe ils déposent avec empressement leurs impressions dans des feuilletons plus ou moins longs. Beaucoup, pour la plupart, ceux qui autrefois ont vécu et travaillé à Paris, écrivent aussitôt des livres entiers. Eux que la guerre a chassés. Reviennent à présent vers leur amour de jeunesse et ne voient pas ou refusent de voir que la dame a entre-temps pris un sérieux coup de jeu. Alors, le entre-temps, là, il parle peut-être de la première guerre, puisqu'effectivement, la guerre 14-18 vient faire exploser cette espèce de polyphonie euh, très cosmopolite, très hétérogène euh, d'avant-guerre. Avant -guerre. Bon, la guerre 14-18, effectivement, Paris est le siège de rencontres internationales. Vous vous doutez bien que le bordel que fout euh, la guerre 14-18 Très notamment entre l'Allemagne et la France, mais aussi il bon, y, y a les forces de comment il des forces en présence tripartites euh, qui sont euh, également en opposition. Donc l'Allemagne n'est pas seule dans cette guerre, elle a des alliés comme elle en aura dans la seconde. Et ça crée des fronts comme ça euh, oppositionnels qui viennent euh, bah, déchirer un petit peu. Euh, Comment euh, c'est cette belle construction euh, du début du XXe Beaucoup d'artistes de, devront partir au front, ou s'ils ne veulent pas partir au front parce qu'ils sont pacifistes et déserteurs, bah, du coup, devront aller se planquer et fuir. Et s'il y aura un gel de tout ça, et il n'y aura pas seulement un gel, mais il y aura aussi évidemment des tas de prises de position qui euh, portent en elles des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont être bellicistes, qui vont chanter les louanges de la guerre. Et euh, qui ne trouveront pas forcément des amis après-guerre dans cette façon d'avoir pris position, là, là où tout semblait se régler juste sur la question de l'art euh, auparavant, eh bien, euh, on peut difficilement aborder les choses de cette façon après l'espèce de partition hein, politique, poétique euh, et éthique que la guerre 14-18 aura euh, écrite. Donc, eux que la guerre a chassé reviennent à présent vers leur amour de jeunesse et ne voient pas ou refusent de voir que la dame a entre-temps pris un sérieux coup de vieux. Pour cela, le vieux Paris existe encore, tel que le montrait en son temps la première vision romantique. Sans doute aussi par opposition au monde prussien, bien avant la guerre, naturellement. À l'époque où le Café du Dôme, si souvent cité, était encore le quartier général de la clique d'artistes allemands. Mais tout comme le café du Dôme a changé d'allure, a été rénové et transformé dans le style des années de fondation, la vieille illusion de Paris a survécu à elle-même. De fait, le plus clair de ce qu'on rapporte sur Paris dans les articles est dépassé, inventé et éventé. Donc il dessine un Paris qui, semble-t-il, tente de se reconstituer, mais en toque, c'est-à-dire de maintenir euh, une image qui avait su conquérir... Euh, tous les, les touristes artistiques d'avant-guerre, mais de la maintenir en restaurant sa façade, mais hein, désormais il n'y a plus à Paris qu'un illusionnisme théâtral de son passé. Bref, on mesure encore les choses avec les échelles anciennes, alors même que de nouvelles sont, maintenues, pardon, sont maintenant entrées en vigueur. Ceci vaut toujours aussi, et de maintes façons, pour l'Amérique. Alors, si ça vous intéresse, l'histoire de de, de de Show et l'histoire des avant-gardes, de l'arrivée des avant-gardes ou de la question avant-garde, la question avant-garde et la question moderne en même temps, d'ailleurs, sur un plateau euh, aux États-Unis avec l'exposition de l'Armoré chaud, là, je vous renvoie au long live qu'on a fait avec Gaël. Salut Su, salut à Karakir. Euh, sur, euh, comment, sur Marcel Duchamp, puisque pour pouvoir aborder la question du champ, on aborde toute cette histoire. Et, euh, donc Je ne vais pas refaire ça aussi, vous pouvez trouver ce long live euh, assez détaillé qui parle beaucoup de du début du XXe siècle. Donc, tout ça est sur la chaîne YouTube. Présenter aujourd'hui encore à la France comme le pays où règne la liberté ou la démocratie, par contraste avec l'Allemagne, est devenue réalité. Où les généraux n'ont pas leur mot à dire et les diplomates sont responsables devant leur peuple, est en contradiction totale avec les faits. En réalité, tout comme chez nous, la production culturelle française se conforme aux besoins de la bourgeoisie qui s'y intéresse. À quelques exceptions près, de plus en plus rares, comme le groupe Clarté, les artistes parisiens n'en sont pas plus conscients que leurs collègues allemands. Un groupe clarté je suis pas sûr que vous connaissez ça tout simplement parce que j'ai pas l'impression que ce soit euh, un mouvement déjà c'est un tout petit groupe hein, qui est connu euh, comment une, une pérennité notable hein, dans les mémoires même si c'est peut-être euh, comment dommage c'est comme ça hein. euh... Mais oui, il y en a des cursus des fois. Cela, -là, là, les ceux du, tu dis que c'est toujours long et ils ne durent pas plus de trois heures, trois heures et demie. Les lives du, sur euh, les lectures sur le, la politique et, et art euh, en 1919, ça va, c'est assez raisonnable. Donc le groupe Clarté, c'est quoi euh, C'est un groupe qui est formé autour d'une revue qui porte le même nom, hein, la, la revue Clarté. Ils sont formés autour de Henri Barbus. Euh, qui sait, c'est un, un écrivain pacifiste qui, euh, qui a fait connaître ses positions notamment et son expérience de la guerre dans un bouquin qui a connu euh, du succès enfin, à, à sa sortie, qui s'appelle Le Feu, hein, qui parle de la guerre 14-18. Et le groupe Clarté se forme dans l'immédiate après-guerre, dans mes souvenirs, au autour de Barbus et puis de Paul Vaillant-Couturier, qui est plus lu, je crois, aujourd'hui, que, que Barbus. Donc, c'est des enthousiastes de la première heure de la révolution russe de 17 hein, qui vont commenter, soutenir, euh, etc. Et donc, ils vont être associés euh, très vite à la naissance du tout jeune PCF, le Parti communiste français. Et, euh, mais rapidement, ils vont faire euh, sécession. Avec le PCF, c'est-à-dire qu'ils vont trouver beaucoup de vertu à la pensée trotskiste, ils vont s'orienter vers le trotskisme, mais bon, évidemment, ils vont se faire euh, tige euh, du PCF, hein. ce qui les caractérise c'est une pensée euh, largement anti-patriote, anti-capitaliste, évidemment, euh, révolutionnaire et puis, ben, fondamentalement marxiste. Voilà. Donc, euh, ils vont essayer d'autres expérimentation avec d'autres artistes qui vont plutôt, je crois, pas vraiment marcher à part le, la revue Clarté. Ils vont tenter de créer une revue commune avec ces idiots de surréalistes, mais ça n'a pas marché. Bon, ils ont des, plein d'échanges avec les surréalistes, mais tous les groupes qui tentent d'avoir des échanges avec les surréalistes euh, s'y cassent généralement les dents. Hein. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers, donc ça marche pas. Et la revue, donc, Clarté, euh, elle va durer un petit temps, elle va durer une dizaine d'années, donc elle apparaît après guerre, en 19 ou fin 18, je sais plus. Elle vit une dizaine d'années Beaucoup des écrivains du groupe Clarté ont connu la guerre, ils ont fait la guerre, et donc ils s'y prennent, euh, ils s'en prennent pardon dans leurs écrits euh, avec une très grande violence aux bourgeois qui ont mené cette saloperie de guerre, évidemment, et entraîné des millions d'hommes dans ce ravage meurtrier. Donc, si ça vous intéresse, j'ai trouvé un texte parce que j'ai quand même l'intuition que vous connaissez pas vraiment ce groupe. Parce que c'est pas tellement documenté il euh, y a un texte je peux vous filer le lien qui est pas inintéressant quand on le sait qui parle un peu de tout ça Hop, que voici euh, est ce que j'ai pas ouvert ça dans un machin si voilà donc là j'ai le texte Alors, je vais pas vous l'afficher c'est juste euh, vous lire un tout petit bout du texte dont je vous file le lien qui vous mettra un peu dans le bain, parce que le texte est très long, très complet, ça c'est chouette. Euh, vous verrez plein de, de choses, enfin euh, de, de thèmes politiques qui vont vous surprendre et vous étonner, euh, notamment sur euh, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, euh, des choses sur l'école et le prolétariat, enfin des choses assez chouettes. Ça parle aussi de cette tentative de rapprochement raté avec les surréalistes dont je vous parle. Donc euh, là, je vous lis juste un tout petit bout du deuxième chapitre qui va vous mettre un peu dans l'ambiance de la création de Clarté. Euh, ah voilà, c je vous ai dit euh, fin 18, donc c'est 19, 19. Voilà, donc on y va. Ah, c'était l'avenue bossais, l'avenue Barbus. <laughs> voilà, ça te dit au moins un peu quelque chose à Carac. Ce d'autant au départ d'une organisation internationale qui se fixe comme but suprême de faire la révolution dans les esprits, les responsables clartéistes autour d'Henri Barbus soutiennent une démarche où se mêlent plus ou moins confusément humanisme, pacifisme, wilsonisme. Alors Wilson, je pense que là il s'agit du président américain Wilson, ça correspond à peu près à la période. Ça devrait pas être trop leur ami, même si c'est un démocrate, moi je me souviens surtout que Wilson était un abominable raciste, mais il y a peut-être des points de sa politique qui m'ont échappé, ça je peux pas vous en dire plus. Mais c'est un ségrégationniste hardcore. Hein. Euh... Favorable à un recrutement, pas du tout le cas de clarté, hein, soyons clairs, vraiment pas. À, favorable à un recrutement très large d'écrivains et d'artistes engagés à dénoncer l'ordre établi et ses imperfections. Ils entrent en conflit avec le groupe de Romain Rolland, un intellectuel de gauche aussi de cette époque. On en parlera peut-être tout à l'heure de Romain Rolland euh, rapidement, avec une, une autre vision probablement. Euh, je pense qu'ils s'en prennent à sa vision un petit peu aristocratique de l'esprit, c'est ça, oui. Euh, le groupe de Romain Rolland attaché à une conception élitiste et apolitique du rôle de l'intellectuel. À partir de mai 1920, il reste un violent réquisitoire contre le capitalisme et les effets désastreux du militarisme et se démarque définitivement du pacifisme et de l'anarchisme. Ils ne peuvent imaginer que les rescapés du front qui ont vécu un enfer d'une effroyable cruauté ne cherchent pas à renverser le pouvoir actuel responsable d'une telle monstruosité. Donc du coup, plutôt au service d'une vision euh, révolutionnaire et ouvriériste. Sous l'impulsion de Raymond Lefebvre, il fustige alors la trahison des socialistes de l'Union sacrée et apporte leur soutien au parti communiste naissant, menant une vaste campagne en faveur de l'adhésion à la Troisième Internationale. Il combat sans relâche le socialisme de guerre et le parlementarisme bourgeois, parce qu'effectivement, une grande partie hein, des, euh, bah, du parti radical, les, des socialistes de l'époque, s'étaient largement rangé du côté de la guerre, étaient patriotes avant tout autre chose. Ils font le procès donc, de Samba, Dubreuil, Gued, donc toutes sortes de personnes incarnant plus ou moins le, la Troisième République, à, euh, Thomas, qui ont ju justifié l'œuvre de destruction et de massacre durant quatre ans. Il reste le procès des chefs militaires de leur et de leurs crimes, comme Joffre, Foch, Nivelle, Pétain, Mangin. Déterminés à lutter contre toute forme de fanatisme guerrier, ils s'en prennent aux hommes politiques comme Poincaré, Clémenceau, Millerand, Bartou, qui ont soutenu le militarisme et approuvé sa politique de destruction. Vous noterez que le de clarté, fait le procès de Pétain sans attendre qu'il devienne le deuxième Pétain. Ils sont un peu plus euh, courageux que euh, ceux qui tentent vainement et absurdement de dessiner hein, une sorte de double portrait dont le deuxième serait la trahison du premier, mon cul. Il cloue au pilori les écrivains patriotes et les universitaires qui se sont transformés en zélés propagandistes du nationalisme guerrier. Il salue la mémoire des mutins de 17 approuve les mutineries de la mer Noire et demande avec force la réhabilitation des fusillés, des conseils de guerre, etc. etc., etc., etc. Donc, le, je vous invite à lire ce texte assez dense et assez copieux sur le groupe Clarté qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur Barbus, euh, Vaillant Couturier et leurs potes. Donc, à quelques exceptions près, de plus en plus rares, le groupe Clarté, les artistes parisiens n'en sont pas plus conscients leurs collègues allemands. Ils mènent une existence d'ateliers empêtrés dans toutes sortes de problèmes formels. Mais ils ne sont plus du tout en mesure, et n'essayent d'ailleurs même pas, d'exercer une influence essentielle sur les événements ainsi que l'avaient fait en leur temps les encyclopédistes. Oui, bon, là où Grosse et Herzfeld font peut-être fausse route, c'est que certes, les encyclopédistes étaient des intellectuels et pas des moindres. Certes, l'encyclopédie, contrairement à la Wikipédia, était un merveilleux projet politique, <coughs> fait par des gens parfaitement conscients de leur rôle politique. Mais précisément, l'encyclopédie n'est pas une œuvre d'art. Donc, euh, elle est une autre activité humaine, un autre point de contact anthropologique. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, si juste que ça de euh, reprocher au mouvement de cette époque euh, d'avoir cru dans la puissance de l'art, à proposer autre chose comme point de contact, c'est-à-dire à se maintenir dans un régime particulier qui est celui où s'effectue d'une façon générale la question art. Bon, voilà, c'est pas. Mais vous vous souvenez, si vous étiez là euh, la, la fois précédente, vous vous souvenez que. Euh... Pour Grosse, euh, y il y a souvent hein, dans son texte, dans le texte précédent, une confusion euh, récurrente euh, qui le rend aveugle, je dirais, à ses propres, ses propres positions formelles, au nom justement de euh, l'aliénation de la pratique de l'art aux questions politiques au service desquelles euh, les œuvres devraient se placer. Ce qui pose toutes sortes de problèmes parce que... On ne sait jamais très bien à ce moment-là qu'est-ce qui se place euh, au service de quoi, c'est-à-dire quel fantasme se met au service de quel autre fantasme, c'est-à-dire fantasme de l'art utile politiquement à ah, un fantasme de euh, la population prête à le recevoir, toutes sortes, je dirais, de mouvements rapides euh, d'exécution de euh, la partition historique et sociale qui est plutôt boiteux. Euh, parce que ça repose évidemment beaucoup sur toutes sortes de malentendus, et notamment sur l'idée, évidemment, d'une intelligibilité fonctionnelle des œuvres, qui, quand elles sont plastiques, ben, posent un deuxième problème. C'est à savoir que si leur servitude est totale à cette fonctionnalité, donc si elles sont le bras armé d'une efficacité politique, que sont elles encore, sinon le transitoire d'un discours effectué en d'autres termes, à quoi bon les œuvres d'art si elles n'ont pas d'autre vocation, au fond, que euh, de participer à des énoncés, si elles ne sont que des variations sur le thème de l'énoncé politique sous une forme plus ou moins plastique, plus ou moins visuelle. Ce qui est un puits de nouveaux malentendus, à savoir... De quelle matière se texture l'énoncé dans un cadre visuel Est-ce que ça a du sens euh, de parler du travail artistique plastique, en tout cas, puisque là c'est de ça dont il s'agit, en des termes qui ne sont pas du tout appropriés pour comprendre les objets auxquels on a affaire. Ça ne veut pas dire que les, euh, à travers l'histoire, les œuvres d'art ne sont pas des accompagnatrices des énoncés. Elles le sont, elles l'ont toujours été. <laughs> Mais c'est bien parce qu'elles n'y sont pas du tout subsumées qu'elles ont une raison d'exister. Vous voyez le bordel. Ça, on arrive vraiment à une situation aporétique, à une aporie, en gros à quelque chose qu'on ne peut pas résoudre euh, logiquement, rationnellement. Jusqu'au tournant de siècle encore, le dessinateur et le poète étaient effectivement en France une force active d'évolution sociale. Ça, ça c'est vite dit. Euh, on peut pas dire ça. Si on dire de quoi on parle, de quelles œuvres, de quel poète, de quoi on parle. Là, c'est beaucoup trop vague, beaucoup trop flou. Il va quand même préciser. Il va donner des noms. Il donne des noms. Donc c'est important qu'on voit quelle petite image il a, il a en tête. Alors, c'est quoi ces images Que l'on songe à Victor Hugo. Donc là, on voit bien pourquoi la position de Victor Hugo contre Napoléon III, euh, en oubliant complètement euh, que ce qui fait que Hugo euh, euh, s'impose comme poète, c'est énormément sur des positions intérieures en termes de, de combativité à la vie artistique, fameuse querelle des anciens et des modernes. ce c'est pas sur la guerre des idées euh, que s'impose Hugo, même si elle est importante, hein, même si. Euh, euh, C'est quelque chose qui va compter dans, dans la façon dont on le considère, dans la façon dont on s'attache à sa personnalité politique. En fait, quand on parle d'Hugo, on parle des nombreux Hugo déjà, qui vont. Donc, euh, le, la longue carrière de cet homme et des différentes machines poétiques euh, dont il va envahir le territoire éditorial, qui sont à chaque fois des coups portés contre les évidences romantiques à un certain moment, après avoir été pourtant un euh, des axes du romantisme, etc., etc. Donc euh, ramener Hugo à la question de l'instrumentalité et de l'évolution sociale, c'est un peu faible et on essaie d'oublier que c'est précisément parce qu'il est tout autre chose qu'il est retenu, apprécié et que alors quelque chose peut se passer, il est écouté quand sa voix porte sur d'autres sujets. Courbet, on a déjà parlé des positions de Courbet euh, et des emmerdements qu'il a eus euh, avec sa, sa défense euh, des idées communardes, euh, sa prise de parti, de parole et d'action qui vont conduire à avoir des, des problèmes évidemment avec la police. Zola, <laughs> donc Zola évidemment. <laughs> Excusez-moi. Donc là, on est dans euh, la, les positions fortes de Zola euh, dans l'affaire Dreyfus, euh, notamment à partir du moment où il écrit J'accuse, et autour de lui, il va fédérer des intellectuels qui vont écrire une pétition euh, pour le soutenir et pour euh, produire une espèce de chant comme ça, de contre-champ plutôt à l'antidreyfusisme ambiant. Alors Victor Hugo, Courbet, Zola, L'Assiette au beurre, Steinlein, Grand Joint, pour n'en citer que quelques-uns. Alors il écrit Grand -Juin", G R A N D et plus loin vois, J O U I N alors à mon avis là il y a un mal d'homme Et d'ailleurs le comment le ils sont mignons mais ils nous disent rien de plus parce que c'est juste écrit entre crochets SIC. donc ce qu'on nous dit c'est qu'ils se trompent sur la graphie mais évidemment personne n'est là pour vous dire salut Samoussa qui est euh, ce Grand Join. Donc en fait, il est en train de parler de Jules Grand Join. Hein. Jules Grand Join, c'est un, un des nombreux euh, dessinateurs, euh, satiristes, affichistes qui fleurissent à cette période. Alors, la France fourmi, on en reparlera, puisque je vois qu'il a mis Steinlein aussi, on va, on va aller regarder quelques images, parce que je ne vais pas me contenter, salut Ingolp, de vous parler de Grand Join et de, euh, de Steinlein sans euh, aller voir ce que font ces gens. Je ne vais pas vous laisser euh, comme ça, quand même. Euh, donc voyons ça. D'abord donc Hugo courbezola l'assiette au beurre donc ça on, on va en parler un petit peu mais d'abord Grandjean que j'en finisse ça avec ça. Donc vous en avez probablement euh, déjà vu euh, comment euh, si vous connaissez un petit peu l'assiette au beurre parce qu'il a c'est un collaborateur constant de la revue l'assiette au beurre. Donc après je vous dirai ce qu'est l'assiette au beurre si vous l'ignorez et puis on va consulter quelques numéros tant qu'à faire. Euh, Grandjouan donc il est très présent dans cette, euh, dans cette revue euh, c'est un type qui n'a jamais caché ses affinités avec la pensée révolutionnaire il a produit pas mal d'affiches syndicalistes par exemple il a beaucoup collaboré à la presse syndicale de, de son siècle enfin, de... c'est un mec qui a une vie assez longue hein, parce qu'il naît dans le dernier quart du 19 e et je crois qu'il va vivre jusque dans les années 60 donc il a il a une vie assez longue et je crois assez, assez intense, et très très euh, productive. Donc il a bossé à la voix du peuple, euh, à la guerre sociale, etc. Donc pas seulement euh, à l'assiette au beurre, c'est un anarchiste, voilà. Et il commence à produire euh, des affiches euh, dans ce cadre euh, dès le tout début du XXe siècle, dès 1900. Donc c'est un antimilitariste, anti-patriote évidemment, euh, anti-clérical, vous pouvez l'imaginer. Euh, dans l'assiette au beurre, vous verrez que si vous commencez à consulter un peu l'adresse que je vais vous filer, puisqu'on peut vous trouver. Énormément de numéros numérisés chez, euh, sur Gallica euh, de l'assiette au beurre. Il va faire pratiquement 50 numéros tout seul, puisque souvent euh, l'assiette au beurre fait du numéro euh, qui est en euh, solo. Ce n'est pas le, le seul périodique qui fait ça, hein, de confier ses pages à. Comment la Charrette charrie fait ça aussi On confie des pages à un illustrateur euh, et il fait un numéro tout seul, euh, soit thématique, peu importe. Euh, en tout, il va faire pratiquement 1000 dessins pour l'assiette au beurre. C'est incroyable. Alors, comme, pour que ça ne se voit pas trop, souvent il change de pseudonyme. Il a euh, 7-8 pseudonymes, il y a euh, Crésus, euh, Today, enfin j'en oublie. Alors, voilà. Donc c'est aussi, vous allez le voir, un illustrateur régulier de la vie ouvrière et euh, du travail des enfants notamment, qui est un sujet qui, le, qui compte beaucoup pour lui. Donc je vous ai mis des, des adresses euh, pour l'assiette au beurre et ses gens. Donc Steinlen. alors lui, vous le connaissez probablement parce qu'il y a des choses que vous avez vues. Alors c'est Théophile Steinlen. je vous précise parce qu'il qu y en a d'autres. Il y a notamment le grand-père de Steinlen, qui était aussi, si je me souviens bien, un dessinateur et peintre, lui aussi, que vous ne confondiez pas. Par contre, je ne me souviens plus du nom du grand-père. Souvenez-vous juste que le Steinlen dont parle Gross.. C'était au fil. Donc c'est pas un Français. Enfin lui, il est né en, en Suisse, si je me souviens bien. Donc pareil, c'est quelqu'un qui est né au milieu du 19e. Il a été naturalisé au français au début 20e. Et il est mort dans, en France dans les années 30, je crois. Donc c'est vraiment... Enfin, quand vous allez voir les dessins, vous allez les reconnaître tout de suite, c'est l'incarnation de la vie montmartroise de la fin du 19e, du début du 20e, qui fréquente le chat noir. Vous avez forcément vu ces chats, ses affiches de, du cabaret le chat noir. C'est le pote de Lautrec, de Bruant, euh, donc anarchiste, euh, avec une vision lui très sociale aussi de son art, bah, euh, comme beaucoup d'artistes du milieu de l'assiette la, au beurre, quoi, très ancré dans une espèce de réalisme expressif. Euh, qui dessine bah, euh, les milieux ouvriers les pauvres et quand la guerre 14-18 éclate lui il commence parce qu'il est un peu plus vieux que les autres il va au front il va aller voir le front mais il est trop vieux pour se pour se battre et donc il va dessiner euh, la vie des soldats voilà. donc c'est un excellent passéiste, on va voir ça ensemble hein. euh, pastel comme la, pastel et Lito, c'est vraiment les armes favorites des affichistes et dessinateurs de la fin du 19e et du début du 20e euh, il fait des affiches, des illustrations. Et il a participé beaucoup, lui aussi, à l'assiette au beurre, mais aussi au temps nouveau. Donc, je suis allé vous chercher quelques images. Donc, on va commencer par Steinland. Euh, on y va. Donc, il n'a pas dessiné que le chat du chat noir. Il a dessiné plein de chats. Steinland a vraiment passé beaucoup de temps à dessiner ses saloperies de chats. Donc, les amateurs de chats vont pouvoir... Voilà. Ah, Hop là, voilà, autant pour moi. Le voilà. Voilà, un des chats de Steinland. Steinland pardon. Ça, c'est un croquis. Un croquis de cabaret. Miaou. Salut, Ragdou. Comment vas-tu? Croquis de cabaret, c'est le cabaret, le Mirliton. C'est une de ces créatures hein, qui zonnait dans les cabarets, comme l'Autrec. Donc voilà ce que vous avez forcément croisé, évidemment, la tournée du chat noir. C'est <coughs> sous cette forme qu'on rencontre le plus souvent euh, Steinem, évidemment. Encore un. Alors là, on voit beaucoup l'influence très marquante depuis euh, bah, le dernier quart du 19e français, est très influencé par le japonisme. Une forme assez dévoyée, un peu exotisante hein, de l'art du Japon, mais quand même, hein, c'est, je veux dire qu'il s'intéresse réellement aux, aux œuvres. Hein. Et beaucoup d'artistes euh, à la fin du 19e, début du 20e sont euh, des, euh, comment, des collectionneurs d'estampes. Hein, si vous allez par exemple au musée Van Gogh, vous verrez la collection d'estampes japonaises de Van Gogh et les copies qu'il en fait. donc c'est euh, Certes, il y a, y a un emprunt des fois un peu grossier, mais il y a un intérêt non fin. Ces questions. ça, c'est Steinlein, encore. Ouais, c'est un peu obsessionnel, les chats. Hein. Il en a fait des centaines. Miaou! Miaou! Donc, voilà d'autres choses des affiches. La compagnie française des chocolats et des thés. Il n'a pas pu s'empêcher de foutre une saloperie de chat à l'avant-plan, évidemment. Miaou Voilà. Et il a illustré aussi beaucoup de bouquins. Ah, c'est agaçant Nom de Dieu. Je suis vraiment désolé. Hein. Voilà un autoportrait qu'il a fait sous un de ses pseudos, le pseudo de Jean Caillou. Donc pas lui-même en compagnie de et je vous le donne en mille, foutu chat. Quand je vous disais qu'il avait un trait de pastel euh, très efficace, très réussi. Voilà un bel exemple, un pastel extrêmement vif, et voilà donc une vision plus proche de. Euh, caractère politique, social qu'on évoquait tout à l'heure quand on parlait de Jules Granjeu et de lui. Même dans ses pendrées de soldats, il arrive à nous foutre un, un chat à l'arrière-plan, ce couillon. <laughs> il ne peut pas s'en empêcher. Il a des vues de cabaret, encore. <coughs> hmm. Attends, je vais faire un gargarisme, je coupe le son. Pas sûr que ce soit efficace, mais au moins j'aurais essayé. Alors... Rien à voir, alors... Hop. On va chercher maintenant Grand jouan Alors, on va faire un truc. Je vais essayer de trouver ça. Ça n'a rien à voir, tata -ta ti tata où je l'ai foutu ici, voilà, super. Donc voilà, ça c'est Jules Grand jouan Donc là on est vraiment dans les, la presse satirique la plus bavarde. C'est l'héritage du 19e, donc les figures très allégoriques où il y a énormément de textes pour nous dire ce qu'on est en train de regarder. C'est pas très adroit. Bon tout ça va un peu bouger hein, au début du 20e, on va finir par arrêter de fabriquer ce genre de choses. Alors, en tout cas, les, les meilleurs euh, artistes ont travaillé autrement, comme Gus Boffa. Mais Grandjouan n'est pas du tout piégé dans cette façon de faire, même si on voit l'allégorie la, la, euh, l'emporte sur le reste. Hein. Là, on a typiquement euh, l'enfant, euh, on voit bien la pensée anarchiste euh, de grand Grandjouan hein, qui... Euh qui met sur un pied d'égalité euh, euh, la société euh, laïcarde, l'état laïcard euh, et euh, l'église, en jugeant avec le même regard sévère euh, au moment de la séparation de l'église et de l'état, et l'église et l'état. Et ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est des dessins. Je vous les montre parce que tout simplement, euh, grand était un pote à Isadora Duncan. C'était pas du tout sa compagne, il avait une copine, et sa copine, c'était Isadora Duncan. Euh, je vous précise parce qu'on se persuade souvent que, que ces amitiés entre mes femmes sont impossibles. Ce n'est pas vrai. Il y a eu tout au long de l'histoire des très belles amitiés euh, entre mes femmes. Et l'amitié entre Grandjoin et Isadora Duncan en est une. Donc il a fait de nombreux croquis euh, de ses danses. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la danseuse Isadora Duncan, mais bon, elle va vraiment incarner. Euh, C'est l'une des très grandes figures de la danse hein, du début du XXe siècle. Et je crois, voilà, ça, ça quand je parlais du travail des enfants, voilà, grand jour, typiquement. C'est le travail des fillettes. Pas mal de dessins sur la vie ouvrière. Et ça, c'est une affiche, oh, pardon, une affiche, une, une couverture de l'assiette au beurre. Sur la grève. Très belle affiche. Très belle couverture, pardon. Là, c'est une répression sanglante. La brave M. Alors, quel est le texte Question d'art, dans lequel qu'on aura le plus de femmes nues pour deux ronds Donc des marmots devant l'étal d'une boutique de journaux, d'un kiosquier. Ils se demandant quel est le magazine dans lequel ils ont le plus de chances de voir des filles nues. Voilà. Encore grand joint. C'est beau, hein quand même. C'est intéressant de voir aussi que le, le regard de Grosse, qui pourtant jusqu'au bout reste profondément peintre, c'est quand même une question qui doit se poser dans son rapport à sa propre discipline, lui pose son regard avec attention à ce moment-là, essentiellement sur les affichistes, les, euh, les dessinateurs de presse, notamment des journaux de gauche, euh, etc. C'est-à-dire que... Je ne dis pas qu'il revoit pas les images, hein. je pense qu'il ne choisit pas cela au hasard, quand même, faut pas déconner. Euh, mais euh, évidemment, on peut se poser la question de la primauté euh, qu'il accorde euh, au-delà de la question des images, au regard qu'il porte sur la justesse du euh, propos politique qu'il y trouve. Et dans ce cas-là, ça, évidemment, ça nous invite à, à nous poser la question de sa façon de regarder sa propre pratique de peintre. Et euh, de nous demander où il place le fait de peindre comme fait, avec les problèmes de peinture qui s'y posent, comment il les maintient, parce qu'il ne fait pas de doute quand on regarde la peinture de Grosse que jusqu'au bout il maintient les problèmes picturaux comme problèmes picturaux, avec au fond une partie des contradictions que ça implique. Parce que le maintien du problème pucard, alors certes il y a. Un, comment, Il y a une distance considérable entre le regard porté sur euh, la question du savoir-faire au 19e par l'Académie et le rapport entre investissement euh, de savoir-faire, euh, de construction d'un peintre d'avant-garde comme lui euh, dans les années 20, donc je veux dire dans la représentation, on pourrait dire de la production, euh, c'est-à-dire que... Il n'y a pas encore cette espèce de contamination abstractive qui va toucher, par exemple, la marchandise euh, euh, telle que le décrit Marx, c'est-à-dire une mise à distance de toutes les opérations matérielles pour produire une chose et le résultat de ces opérations matérielles. Donc, euh, le vieux rêve euh, fétichiste qui fait que, euh, d'un seul coup, euh, la marchandise n'est plus regardée comme produite, mais comme une espèce d'émanation, d'épiphanie, bah, grosse maintient euh, le caractère, euh, d'une certaine façon, d'assomption du savoir-faire à l'intérieur de sa peinture, avec tout ce que ça peut vouloir dire d'enjeux qui sont bah, qui sont pas solidaires, de questions immédiatement sociales, même si euh, la question me semble mal posée. Mais si on pense en ces termes, si on accepte ces termes à lui, c'est compliqué de les conserver tout en maintenant intact le pari artistique avec tout ce que ça veut dire comme attachement finalement, euh, un peu formel, hein, à, aux conditions d'apparition des œuvres. Alors, le mec des chats, Steinlen, je peux vous écrire euh, ça, golpe, c'est ça. Voilà. Et l'autre, c'est Grandjouin. Voilà, je vous écris ça tout de suite. Voilà, donc c'est les, les deux oiseaux. Alors, pour l'assiette au beurre, on va regarder un peu. Je vous donne quand même un truc chouette, c'est ça. C'est l'adresse euh, chez Gallica qui va vous donner accès, comme ça, à plein de numéros de euh, l'assiette au beurre. Ça, c'est quand même drôlement bien. Donc, j'ai quelques numéros qu'on va regarder tout de suite. Voilà, comme ça, vous allez voir un peu à quoi pouvait ressembler cette prodigieuse revue. <coughs> hmm. Alors, je vous ai chopé euh, des numéros de mai 1901. Donc, on est au tout début de l'assiette au beurre, hein, euh, en mai 1901. Je, on va pas tout regarder, mais ça va nous plonger dans un petit moment de l'Assiette au Beurre. Donc comment ça commence On est sur les cinq. Alors c'est un hebdo. Hein, euh, les cinq premiers numéros. Ah, oui, je vous ai pas parlé en fait de l'Assiette au Beurre. Il faut quand même que je vous en cause un tout petit peu avant qu'on le regarde, ou alors en le regardant, si vous voulez. Tout simplement, on va pouvoir le regarder un petit peu comme ça. Hop, voilà. Donc c'est un périodique. Un hebdo, si je me souviens bien. Alors, il n'a pas été hebdo tout le temps. Je crois qu'au tout début, euh, avant les numéros que je vous montre là, euh, il n'était pas. Euh, Qu'est-ce que c'est beau ça Il n'était pas encore. Euh, c'est pas l'abord de ça Je crois que si. Hein. Euh, il est. Euh, Qu'est-ce que je dis ça Il n'était pas encore. Il est devenu très rapidement. Donc à la période que je, dont je vous montre quelques exemplaires, il était donc déjà. Euh, c'est un magazine anarchiste, clairement, enfin au moins au début, sensibilité anarchiste marquée, euh, anticléricale, euh, anti-autoritaire. Euh, les flics sont la risée, la cible permanente de l'assiette au beurre. Anticoloniale, ça compte quand même, c'est important. Donc je vous ai dit quoi Antimilitariste, euh, euh, anticlérical, je vous l'ai dit aussi, quoi, bref. Anarchiste sur la plupart des thèmes qui intéressent la pensée anarchiste de ce moment. Il apparaît donc là, vous voyez, en 1901, donc tout début du XXe siècle. Alors, il y a là, dans ce numéro-là, il y a plusieurs personnes. Des fois, il y a, il y a des numéros où il n'y en a, a qu'un. Et c'est une revue qui va se maintenir, je dirais, assez solidement à ses directives artistiques et politiques, euh, au moins jusqu'au début des années 10. Après, ça va partir un petit peu en couille à un moment, je ne sais plus exactement quand, mais. Euh, il euh, y a un moment, bon à partir des années 10, où il y aura des changements de direction et euh, ça va perdre beaucoup. Alors rapprochons-nous un peu pour voir ces merveilles. Ah je peux pas avec cette interface. Je peux pas. Ce serait dommage quand même. Qu'on regarde un peu ça de près tellement c'est beau. Hop, voilà, euh, qu'est-ce que je disais Qu'est-ce qui fait la particularité de l'assiette au beurre à cette époque euh, C'est la vision éditoriale très très particulière de la revue. Qui est assez différente des nombreuses revues satiriques. Il y en a beaucoup à l'époque. Hein. Il y a le rire, enfin, il, y a, il y en a énormément. Euh... Hop, je passe un peu pour que vous voyez quand même toute l'image, que ce ne soit pas tronqué. Euh... L'idée, c'est d'être complètement au service de l'illustration. Mais vraiment. Euh... En lui laissant une place assez incroyable, elle est vraiment importante. Il y a pas seulement les couleurs, par exemple, vous voyez, on n'a pas seulement sur la couve, contrairement à l'usage dans la plupart des revues satiriques de cette période, mais il y a souvent des, des cou couleurs à l'intérieur. Bon là, on a fait toutes les pages. Et il est plus copieux. Que, euh, que les feuilles euh, de chou de son époque. Je crois qu'il s'est euh, toujours au minimum à 16 pages. Alors là, je crois qu'on a fait ça. Hein. Ça devait être 16 pages. Euh, avec des images pleines pages, souvent en bicro ou en tricro, avec des collaborateurs qui sont plutôt des gens importants, hein, de la scène des illustrateurs, des artistes de, de cette période-là, donc Steinlein, euh, Jouan, mais aussi Carandache, euh, Carandache, bah, ce qui est intéressant, c'est Carandache, je vous l'ai dit la dernière fois, quand on a parlé de lui, dans les lives consacrés aux bandes dessinées, c'est un antisémite euh, passionné, comme bah, tout antisémite, euh, donc aux positions nettement anti Réfusard et dans, la même, dans le même magazine, cohabitent donc les positions Réfusard et anti-dreyfusardes. Donc ils font cohabiter les deux positions dans l'assiette au beurre, et tout simplement parce que la question partage les milieux de, je dirais, de toute polarité. Hein, Ce n'est pas d'un côté la droite euh, qui serait euh, anti-Dreyfusard et la gauche Dreyfusard. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Le, y, on trouve des, des antisémites déjà à peu près dans tous les milieux à cette époque, et surtout des antisémites qui s'affirment à travers l'affaire Dreyfus, évidemment, qui trouve un, un marche-pied pour s'ériger de façon euh, euh, tonitruante, se faire entendre, voilà. comme, euh, comme parti pris. Retour de la messe. Euh, donc... Là, euh, c'est des numéros, donc j'ai dit euh, du début. Il y a Kido, Il y a Kupka. Il bon, y a des artistes que vous connaissez peut-être en dehors de leur travail de satire, comme artistes, parce que Marcoussi, par exemple, ou Valoton, c'est des peintres. Hein, donc vous connaissez la peinture de ces oiseaux. Alors Marcoussi, bon, j'ai déjà dit le mal que j'en pensais, mais Valoton, c'est plutôt chouette. Il y a même Ron Gris, par exemple, peut-être gentil fonctionnaire du cubisme synthétique. Bah, il a fait des trucs dans, euh, dans euh, l'assiette au beurre. Euh, comment, euh, qui d'autre, enfin euh, voilà, moi bon, j'ai plus grand monde qui me vient en tête, mais voilà. Bon, toutes les bonnes choses ayant une fin, et je dirais toutes les grandes choses ayant souvent une fin assez miteuse, bah ça va s'échouer assez médiocrement, après plusieurs tentatives, il y a eu des changements de direction, hein, euh, ouais, plusieurs directions prises, et puis des, des tentatives ratées de résurrection, je ne sais plus jusqu'à quand, jusqu'aux années 30 je crois. Bon, ça va pas très bien marcher, cette affaire. Donc là, on regarde pas mal de choses qui vous montrent la richesse euh, du travail des illustrateurs de, de l'assiette au beurre. C'est quand même assez copieux et, et, et c'est très beau, tellement qu'on puisse dire. Vous voyez, il y a des doubles pages aussi. Salut à Nanon. Ah, c'est assez étonnant, c'est très curieux. Un certain Alex B. Il va dire que le dessin est assez hors norme. Drôle de chose. Drôle de chose, vraiment. Euh donc ce qui doit ressortir aussi de cette petite visite de l'assiette au beurre, évidemment, c'est la richesse et la diversité de tout ça. Je pense que vous n'êtes pas insensible à, à ça également, qui fait partie hein, de, des grandes qualités de l'assiette au beurre, hein. c'est qu'il y a des approches très différentes du dessin. Alors, je ne connais pas tous les, les auteurs euh, qu'on voit à chaque fois, même si, bon, elles sont titrées à chaque fois. Donc là, c'est un certain Mogello euh, que je ne connais pas. Donc... Euh, ou, Attends, est-ce que c'est Mogello ou H Vogel mmh, Compliqué, compliqué. Euh, que je ne connais pas plus de toute façon. Donc souvent, donc les illustrations peuvent être... Enfin, euh, sont signées, donc vous permettent de, de les reconnaître. Donc certaines s'inscrivent dans une mouvance plutôt classique. Ah, le dessin étrange, oui, je dois dire que ouais, ce serait intéressant de savoir. Parce que je... j'avoue que celui-là, il est particulièrement curieux. Ouais. Comment t'appelles-tu Est-ce que c'est signé ça Alex B. Euh, il faudrait faire peut-être des recherches pour en savoir un peu plus. Pour savoir, moi, je peux regarder hein, qui est ce Alex B dans l'assiette au beurre. Hein Alors, est-ce que j'ai accès à un navigateur dans mon bordel Compliqué. Ah. Alors, j'écris Assiette au beurre et Alex B. Voyons ça. Voyons si on peut en savoir un peu plus. Alors, t as, t as, t as, t as. non, je trouve pas de fiche. Bah, écoutez, si quelqu'un a envie de fouiner et de voir si on trouve une, une fiche sur ce Alex B, ça peut être intéressant. Voir déjà, bah, si on peut tout simplement trouver euh, d'autres choses euh, du même illustrateur. On a été où On a été là Donc bon là, on retrouve un hein, des, des dessinateurs euh, récurrents. Ah, je vous montre encore un petit peu pour le plaisir. Ça c'est magnifique, hein. c'est une composition tout à fait euh, brillante. Incroyable. Les planches sont également signées visiblement au-dessus. Voilà. Donc il y a moyen aussi de savoir, pas seulement en décryptant la signature. Donc là, on a un Steinland par exemple. Euh, on peut savoir quand c'est des illustrateurs qu'on ne connaît pas, qui ils sont. Là, c'est UAR que je ne connais pas. Villon, bah on parlait de Villon, donc euh, j'imagine que c'est Jacques Villon, euh, le frangin de Marcel Duchamp, je suppose. Voilà. Hein. Oui, c'est bien. Hein. C'est plus brut, quoi. Et il y a euh, La Force dans le même genre, qui est euh, hyper intéressant, euh, si ça t'intéresse. Lucien La Force, si t'aimes Josso, euh, je pense que t'aimerais La Force. Euh, on en parlera. J'ai une petite, une petite plage sur la forge parce que comme il est peu connu, enfin, en tout cas il est moins documenté que les autres. Euh, j'ai pensé que ce serait chouette pour vous d'aller voir un petit peu euh, les épures de la forge. On regardera ça. Alors par contre, est-ce que j'ai accès à un navigateur C'est peut-être plus compliqué. Euh, ouais, ouais, je pense que Jules la forge. Bah, je peux vous mettre au moins par rapport à ça le lien vers l'article du Monde. Euh, enfin, Du blog euh, comment, de Frémion, que vous connaissez sans doute, hein, les petits Mickey. Euh, et Frémion a fait une petite page sur la, la forge. Hop, je vous mets le lien. Ah, si, si vous aimez ce genre de graphisme assez puissant et réduit à son strict minimum, ça je suppose que c'est également euh, Hop, Ouais, c'est ça. C'est très puissant. Euh, donc voilà, on a vu quelques images de, euh, de l'assiette au beurre euh, comment, de euh, grand et de Steinlein. On peut retourner à notre texte. Mais ça va pas être très long parce que je crois qu'il y a des images tout de suite après. Il a, il a rassemblé ils ont, dans leur texte, il, il a, non, ils ont euh, grosses. Et uh, Hertzfeld ont rassemblé au même endroit toutes leurs références, tout le socle sur lequel ils établissent leur grille de lecture d'un art désirable au service des grands enjeux de l'évolution sociale telle que qu'elle leur apparaît comme une vraie nécessité pour les artistes. Uh, ça t'a plu C'est oh, Je suis content que ça vous plaise. Salut Médiole. Uh, alors, Alex, un pseudonyme de Alex Alès d'accord actif jusqu'en. 1927. D'accord. Alex Alaise. Bah, si vous avez une fiche euh, avec un lien vers Alex Alaise, ça m'intéresse pour en savoir un peu plus. Je ne le connais pas. Bah, C'est vraiment un dessin très étrange. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'en de, savoir un peu plus. Merci en tout cas d'avoir cherché. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte encore les autres oiseaux Mais aujourd'hui, il règne à Paris. La même stagnation le même juste milieu que chez nous donc chez nous sous-entendu euh, en Allemagne dernier symbole d'époque révolue le vieux barde Anatole France qui voulait transporter jusque dans le XXe siècle les traditionnelles étincelles de liberté de l'esprit français planait en réalité dans les nuages oui sans doute un peu Alors, je sais pas si vous aimez Anatole France moi plutôt c'est vraiment hors sol tout ça et... Effectivement, tu crois, désormais peu lu par personne, ça doit plus intéresser grand monde. Hein. Euh, pour ceux et celles qui connaissent pas Anatole France, qu'est-ce que je pourrais dire de lui Donc, c'est vraiment une incarnation de l'écrivain du début du XXe siècle. C'est un homme qui a eu une importance vraiment très considérable à son époque. Bah, mais alors, son parcours intellectuel et euh, politique, façon de parler, hein, c'est pas un politicien, mais bon, même s'il est parfois assez étrangement hésitant à certains moments de sa vie sur sa position politique, enfin, il a quand même vécu un, un petit passage, un petit détour boulangiste, euh, donc une espèce de populisme abject du 19e, dont on parle très bien Ruissman dans ses bouquins, mais Probablement ce qu'il partageait avec euh, l'affreux boulanger et son anti-parlementarisme, j'imagine. Euh, et puis en plus, il va commencer par la suite à prendre des positions plutôt patriotardes au déclenchement de 14-18 avant de, de se récrier et de s'en vouloir hein, pour ça. Ce n'est pas un mauvais bonhomme. Hein, euh, et qui va dénoncer en 14-18 après bah, une guerre capitaliste au profit de l'industrie. Euh, c'est globalement quand même un homme qu'on pourrait placer à gauche, c'est un, un socialiste à l'ancienne au départ, après ça va être un des pionniers de l'UMA, et il se fera critiquer après par le PCF avant d'être évincé de la vie éditoriale communiste et des publications coco, enfin bref. Un parcours plutôt à gauche, c'était un pote à Jaurès, c'est cette espèce de gauche humaniste, des grandes causes humanitaires. C'est un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, début du XXe, donc plutôt de Dreyfusard, donc euh, un soutien de Dreyfus. Très très tôt, il va se mettre aux côtés de Zola, il va même euh, rejeter les honneurs qu'on lui avait consacrés. sa la légion d'honneur, euh, notamment, parce qu'on les avait refusés ou qu'on retirait à Zola euh, tout ça. C'est un critique acerbe de la xénophobie, c'est même à lui qu'on va voir le terme de xénophobie. Il est pour la séparation de l'Église et de l'État, évidemment, vous n'êtes pas surpris. Et lui aussi va défendre bah, la cause syndicaliste. Mais, 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 qu'est-ce qui fait qu'il est dans les nuages Bah, sans doute parce que c'est une espèce d'esthète, c'est un bibliophile forcené, il a une certaine vision de l'esprit français, comme le dit Gros, ça c'est justement quoi. Euh, donc ça laisse des empreintes notables dans ses bouquins. Moi, le dernier que j'ai lu, c'est Le Mannequin d'Ozier. Oui, on, on lit ça, on lit cette espèce de déessentialisation d'un certain esprit, qui est qu'on porter sur ses ailes, le, la révolution sociale et le bien. <laughs> il y a quelque chose de touchant hein, dans cette espèce de candeur laïcarde qu'on peut retrouver, mais je sais pas, moi, chez, euh, comment, euh, chez Louis Pergaud ou chez, euh, chez, euh, chez Jean-Henri Fabre. Hein. Mais ben, il a grandi dans cette espèce d'univers, dans la bibliothèque paternelle il a été éduqué à cette révérence pour une certaine représentation de l'histoire de l'esprit. Ouais, c'est ça, une espèce d'aristocratie des idées. Donc c'est pas pour rien, je pense, une espèce de va-et-vient des fois politique. Je crois que c'est un petit passé aimable. Donc on lit plus beaucoup aujourd'hui, mais moi je vous conseille quand même de lire quelques trucs, de lire la rôtisserie de la reine pédoque Alors peut-être pas le mannequin d'Osier, J'ai peur que ça vous fasse un peu chier. C'est très instrumentalisé. Il a des trucs à dire hein, dedans. Mais il lisait l'île des pingouins, par exemple, ou même son euh, grand récit de la révolution. C'est un roman. Hein. Les yeux ont soif. Bah, c'est pas mal, vraiment. Alors. Alors, il partageait avec Boulanger son anti Non, il n'est pas anti il <laughs> est mais pas du tout antipatriote, Boulanger. Et sa farine, c'est mal. <laughs> ok, alors, c'est une page Wikipédia que tu peux pas ouvrir ensuite. Ah bah merde D'accord. Bon, je, je chercherai. Mais déjà, grâce à vous, j'ai un petit début de recherche. Je relirai le chat après l'émission. On, on va retrouver sa trace. On va retrouver sa trace et on en apprendra un peu plus sur ce Alex à l'aise. Complètement. Alors, Anatole France dans les nuages. Des individus isolés, Mazrel, Barbus. Donc, Barbus, je vous en ai parlé comment euh, avec euh, le groupe Clarté. Euh, Mazrel, ben, si vous voulez, on peut en causer un, un, un petit peu euh, après. On va même regarder, si vous voulez. Puisqu'on est là à se mater des images. On va se mater des images. Mazrel, Barbus, donc légende Clarté, par exemple, mènent encore le vieux combat. Mais c'est en marginaux. Alors, Mazrel mazarel mazarel Je pense que vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu un regain d'intérêt pour mazarel il n'y a pas longtemps. Il a été copieusement republié par des éditeurs et éditrices de bandes dessinées qui se sont euh, réappropriés à juste titre, hein, euh, mazarel Je pense que ce à quoi ressemble de près euh, le la construction en récit de Masrel, même s'il est en pleine page, c'est clairement les bandes dessinées. Euh, alors, qui dit Alex Salès, j'ai publié plein de trucs, je ne retrouve pas forcément les styles de 5 à attirer ton regard. L'espèce de truc chelou qu'on a vu, là. Ah oui. Il bah, faudra peut-être fouiner dans le détail. Hein. Euh, donc, Mazrel, euh, j'imagine ça se prononce, c'est un nom flamand. Il est né en Flandre à la fin du 19e, mais lui va avoir une carrière et une vie française par la suite. Il va mourir en France, euh, dans le sud de la France, euh, à Avignon, je crois. Euh, il a une vie assez longue. Hein. Il est né à la fin du 19e, mais il meurt dans les années 70, au début des années 70. Donc vous avez peut-être vu passer ses bois gravés. Il est connu surtout pour son travail de graveur. C'est aussi un peintre. Alors, je ne vous le cache pas, c'est un peintre de chiottes. Vraiment. C'est d'une laideur sans nom. Euh, J'ai hésité avant de vous en montrer parce que je me suis dit, c'est quand même cruel euh, de vous montrer ça parce que. Euh, c'est vraiment de la merde, mais euh, comme je vais vous montrer ces beaux bois gravés par la suite, je ne vais pas juste lui faire un coup un coup fatal en vous montrant des horreurs. Je vais quand même vous montrer le travail pour lequel il est le plus, et à juste titre, reconnu. Euh, oui, j'ai foutu la peinture de Mazrel. Ah, c'est ça. Voilà. Quel, en... oh, quel enfer. Qu'est-ce que c'est laid. Euh... Beau, bon, mon Dieu. Bon, vous verrez ça tout de suite après. Donc, il a... Vous verrez aussi pas, mais c'est avant toute chose pour le boulot, euh, comment, euh, le boulot de graveur qu'on connaît. il y a une façon d'aborder la gravure qui lui est propre, vous verrez, c'est dire vraiment constitué en série de bois pour des récits. Donc il a commencé par illustrer d'abord des écrivains, donc, ça c est, c est des, 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 des placards isolés à l'intérieur de textes, donc de ses contemporains, Thomas Mann, euh, Stefan Zweig et... Notamment Romain Rolland, puisqu'il va rencontrer Romain Rolland assez jeune, qui est aussi pacifiste comme lui. Donc Romain Rolland va devenir son mentor, si vous voulez. Mazrel va échapper à la guerre. Alors pour un truc assez chelou, une histoire bizarre. Euh, je crois que les il aurait dû partir, mais dans mes souvenirs, il a été oublié. Je crois, euh, dans son propre pays. Donc, il est nulle part aux yeux de, des gouvernements en guerre. Mais bon, c'est un pacifiste de toute façon, donc je, je pense que ça, ça lui convient très, très bien. Il échappe à pas la guerre, euh, dont le déferlement sur l'Europe euh, le terrifie. C'est un antimilitariste forcené. Il publie ses premiers dessins contre la guerre dès 1915. Et puis, après la rencontre avec Romain Roland, il va participer à des publications pacifistes euh, pendant la guerre. Hein. Comme euh, la feuille hein, ou demain. Alors, on le connaît surtout pour les bois gravés. Je voulais dire, hein, c'est une sortes de grands récits composés en bande dessinée de cases toujours en pleine page. Hein. Euh, il va commencer ça pendant la guerre, il va les enchaîner assez rapidement. Il faire le plus gros de son œuvre comme ça jusque dans les années 30, hein, et ça va rencontrer un très grand succès. Donc son son gros œuvre, c'est Mon livre d'Heures. Gros tirage, gros livre, euh, livre important, euh, et donc il va conquérir toute l'Europe avec ses bouquins, et puis pas à pas avec les éditions pirates assez nombreuses qui vont en être faites, ben, conquérir le monde entier. Alors vous allez regarder ça avec moi, euh, le, le caractère comment expressionniste si vous voulez de son travail, bon, l'influence hein, sur ses bois gravés des euh, mouvements expressionnistes euh, allemands. Euh... Tout ça, enfin, ça avait tout pour séduire notre ami Georges Grosse, évidemment, cest pas seulement la, la démarche intellectuelle et politique, mais aussi l'approche plastique, je pense, son pacifisme, mais aussi le caractère expressionniste de son boulot, qui fait qu'ils vont devenir potes avec Grosse, c'est pour ça qu'il en parle aussi. Je sais pas s'ils sont déjà potes à l'époque où Grosse écrit ce texte, par contre. Alors, pendant la guerre 39-45, euh, il ne va pas pouvoir suivre son pote Grosse aux USA. Donc, la guerre suivante, quoi. Il va se planquer en zone libre en France, où il va rester vivre jusqu'à sa mort. Euh, bon, évidemment, vous, vous doutez bien que l'œuvre de Maserel, vous allez le voir, qui a un caractère quand même plutôt antimilitariste, enfin, clairement antimilitariste, et toutes ses positions d'une façon générale, pacifiste, etc., et anarchisante, euh, ça va un peu faire baisser sa cote dans les pays euh, belligérants. Donc, euh, le nazi et l'art, c'est une histoire d'amour tumultueuse et compliquée, comme, comme vous savez. Euh, donc, il faudra attendre l'après-guerre pour que réémerge l'intérêt pour son œuvre. Ça va en exploser enfin il y a vraiment un, re, un engouement général encore pour son boulot il va donner des cours dans une école d'art en Allemagne je sais plus où et puis il va exposer un peu partout et dessiner jusqu'à sa mort donc les bouquins de Mazerel il y en a alors, je les connais pas tous par cœur bon il y en a une petite quinzaine je crois de, de, de bouquins euh, ça va de la petite plaquette comme un bouquin qui s'appelle Remember où il y a une vingtaine de bois, un peu plus, jusqu'à mon livre d'or, qui est un gros bouquin de plus de 160 bois. Et les plus célèbres, c'est euh, Il y a la ville, Histoire sans parole, euh, et puis il y a un drôle de truc que je vous ai amené aussi, je ne sais pas comment on pensait, qui s'appelle Idée, sa naissance, sa vie, sa mort. D'une manière générale, je sais pas toujours quoi penser de Mazarelle. Enfin, euh, Je suis un peu encombré avec ça. Le, ça dépend des bouquins. Euh, clairement, de temps en temps, j'adhère euh, complètement. Je dois dire que euh, son, son gros œuvre, euh, effectivement, son livre d'œuvre me fascine assez. Des fois, le caractère expressif, euh, un, un peu euh, appuyé et euh, sentimentaliste de Mazrell me fatigue. Alors, où est-ce que j'ai foutu euh, tout ça? J'ai rangé ça au bon endroit ou pas Voilà, mon livre d'heure. On va regarder ça. Hop J'ai trouvé que une édition espagnole en PDF, mais on s'en fout. On est d'accord, on s'en fout. Je vous montre d'abord sa peinture. Qu'on regarde d'abord des horreurs. Il ne faudrait pas être cruel et finir sur des horreurs. Ce serait pas juste de faire ça. Attention les enfants, la peinture de Mazrel. accrochez-vous, ça pique. Oh mon dieu Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, quel enfer. Ouais, alors Médiol, pour Mazrel, oui, il fait ses bois gravés. Sinon, pour les graveurs, euh, alors déjà, il y a beaucoup de lithos, euh, soit dit en passant. Et pour les graveurs, euh, ça dépend, Mediol. Souvent, non. Enfin, dans la presse, c'est fréquent que ce soit des associations euh, comment de, entre un, un bon graveur et un bon graphiste. Mais là, en l'occurrence, Masrel, lui, il fait ses bois gravés. Et euh, pour les autres, ils pratiquent eux-mêmes, enfin, ils pratiquent la litho, donc ils dessinent directement et, et sont des lithographies. Ensuite, après, je ne sais plus comment il a imprimé l'assiette au beurre. C'est peut-être déjà des clichés. Je ne veux pas dire de conneries, parce que je ne connais pas le procédé d'imprimerie utilisé pour imprimer euh, l'assiette au beurre. Donc, je vais éviter de me dans cette voie. je peut me renseigner d'un point de vue technique si ça vous intéresse ces questions et euh, aller chercher. Euh... Oui, tu dis c'est un style, oui c'est le moins qu'on puisse dire. <laughs> attendez, il y en a des, non, des pires, non. je crois que celle-là c'est vraiment le pompon, c'est d'une dégueulasserie son nom, mais... Oh putain, mais qu'est-ce que c'est moche C'est pas seulement moche, c'est picturalement nul, quoi. Il y a vraiment une incompréhension absolue de ce que c'est que de la peinture. Il n'en a pas la moindre idée. C'est dingue. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est. Oh, mourir. <laughs> c'est pas possible. <laughs> comment, je... comment, comment, comment c'est. Oh là là là. Oh c'est monstrueux. Je vais mourir. Oh putain. Bon, je vous dis pas l'effet que ça me fait. Enfin si vous le voyez bien, ça me renverse de laideur. C'est le néant. Bon alors c'est plus lui, tant mieux. On verra ça après. Donc pour l'instant, euh, on va laisser tomber les abominables croûtes de Mazarelle et on va regarder un petit peu, euh, un petit peu ces bois gravés, ces livres de bois gravés euh, qui vont faire tout son succès, et sa célébrité. Et... Non Sarah, je ne vais pas faire ça. Je n'ai même pas envie de passer une demi seconde de ma vie à parler de cette merde. Il n'en est pas question. En regardant plutôt ces bois gravés. Ne, ne m'entraîne pas sur cette bombe savonneuse. Alors, Mazerelle. Donc voici mon livre d'heure. Préfacé, comme vous le voyez. Non, mais là, c'est préfacé en espagnol. Donc je ne peux pas vous lire, je parle pas un mot d'espagnol. Par Thomas Mann. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, on part de là. Première image. On va peut-être passer le faire en entier ou alors on peut aller... Un peu vite. Alors ce qui est intéressant dans mon livre d'or, euh, contrairement à certains des autres écrits de peut-être plus jeunes, c'est les rapports aux au, au durées. C'est-à-dire que les, les espaces euh, supposés existants entre euh, chacun des bois gravés laissent une énorme place d'investigation, une supposition, une imagination au lecteur et Et ça, c'est vraiment très très chouette. Au niveau des compositions, euh, de la richesse des situations. Et euh, même de l'organisation du dessin, c'est plus réussi. Ça s'appuie moins sur des clichés expressifs. Il y a vraiment une, une partition euh, plastique euh, euh, où euh, la charge des contrastes. C'est aussi une organisation architecturique de l'image qui est très savante, très belle. Il y a à la fois d et un mélange de science et de simplicité euh, qui est assez chouette chez lui. Euh, il y a, alors que le bois gravé s'y prête pas tant que ça chez Mazrel, au moins une constante, c'est euh, le caractère très dynamique de son bois gravé. Donc je suppose qu'il y a les mollo euh, en termes de croquis, euh, de, 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 de mise, euh, comment, euh, de préparation, pour laisser à la gouge euh, le soin d'une certaine liberté euh, d'action. En tout cas, euh, elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas laborieuse, elle a vraiment une grande euh, fluidité et un beau caractère dynamique. Il y a un très beau travail sur les portions inachevées, c'est-à-dire euh, les espaces laissés vacants, les endroits à peine esquissés, qui donnent dans tout ça une très belle composition. Mon livre d'or, c'est un livre extrêmement échevelé, euh, qui est très drôle, qui est très cinglant et à la fois un petit peu tragique aussi par moments, mais qui fait surtout jouer euh, l'immensité de parcours qui peuvent s'immiscer dans une vie pleinement accomplie. Donc c'est un livre qui est une espèce d'ode assez incroyable à l'assouvissement permanent. Donc ça n'arrête pas de jouer là-dessus, sur la capacité d'un sujet singulier à suivre. Euh, donc, là, cet homme embrassant un cheval nous fait évidemment penser à Nietzsche, <laughs>, pleurant sur son cheval battu. Il euh, y a beaucoup de rapports sociaux, évidemment, enfin, des, des rapports, comment dire, des, de l'analyse sociale de Masrel qui s'inscrit tout au long de ce parcours, ce regard porté sur la vie ouvrière, sur les mendiants, sur les pauvres, sur les soldats, sur euh, les enfants aussi. Il y a des choses assez belles sur les, les rapports. Parce que, une des, voilà, on voit bien cette adulte avec les enfants. Donc, ça nous dit plein de choses aussi euh, de ce qui lui semble nécessaire de conserver comme aptitude tout au cours d'une existence, notamment en tant qu'artiste. De, dire, en dehors euh, dans la vision d'un progressisme social, de l'accompagnement euh, des enfants, euh, en n'oubliant pas que, quand même, euh, les enfants travaillaient énormément au début du XXe siècle, donc c'est quelque chose qu'il va falloir briser. Euh, alors là, voilà, quand je parle du trait de gouge de Maseré, là, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir la superposition euh, mentale, poétique qui peut exister entre l'attaque de la gouge sur le bois. Qui révèle ici un trait euh, noir et euh, l'attaque du patin euh, sur la glace qui euh, prendrait la lumière. Il y a un fonctionnement comme ça euh, qui, qui dit de quoi il fait une gravure et euh, qui rappelle avec l'espèce le, de, de, de couteau euh, du de, de patineur qui renvoie au travail du graveur sur sa plaque de bois. Donc il y a, il y a dans celui-là vraiment énormément de très belles choses. Je vous le fais pas en entier, je vous invite en tout cas à, à voir ça de près. Si ça vous intéresse, évidemment, je pourrais laisser tout ça euh, sur Salut Corbeau, sur le Discord de la chaîne, à la condition évidemment que ce ne soit pas trop lourd. Sinon, Discord m'enverra bouler et je ne pourrais pas vous le mettre. Donc ça, je peux pas encore savoir euh, combien pèse cette chose. Je regarde, il pèse 20 mégas. Je pense qu'on touche à la limite. Je ne suis pas sûr que Discord puisse aller jusqu'à 20 mégas. Je crois qu'il limite à 15 ou un truc comme ça. On verra. Donc, ça, c'est son gros œuvre. C'est mon livre d'œuvre. Et voici trois petits récits. Euh, donc, avec la fameuse idée, quoi. Et euh, les petites histoires sans paroles. Le dernier, donc le soleil, l'idée. Donc, la fameuse euh, idée, sa naissance, sa vie, sa mort. Donc, c'est trois récits plus courts. Et puis, histoire sans paroles. Donc, là, euh, on arrive à, à des trucs. Alors parfois, il y a des, vraiment des choses tout à fait extraordinaires. Dans certains cas, notamment l'idée, que je ne trouve pas foufou, mais c'est aussi vrai pour The Sun, une espèce de d'attachement à la forme allégorique euh, qui est un peu balourde. Enfin, Ce n'est pas quelque chose de très... Euh, qui moi m'excite beaucoup. Je trouve ça très démonstratif. Même si les bois sont beaux, hein, euh, souvent assez... Euh, assez Vigoureux, euh, les compositions restent assez incroyables. Il y a euh, une gestion de l'économie aussi du, de la gravure elle-même qui vous échappe peut-être si vous ne gravez pas. Salut Mandrake, qui vient du fait que tant, quand vous gravez un bois, bah, évidemment vous êtes en taille d'épargne, hein, donc vous dessinez la lumière. C'est-à-dire que le, le, votre gouge arrache au bois des liserés de blanc à l'endroit où la lumière va frapper une fois l'impression faite. C'est-à-dire que Mazerelle, là, développe un, un, une attaque euh, qui lui permet finalement une grande économie de moyens, on voit bien, puisque finalement il y a la place laissée euh, au noir est assez considérable. Donc il s'aménage à un mode de travail qui lui permet d'être relativement rapide. Parce qu'évidemment, plus vous avez de noir, moins vous avez dû ôter de la matière pour travailler. Il y a des planches éminemment sympathiques. On voit que Masrael s'inscrit hein, très clairement dans euh, les arts plastiques de son époque. Ce qui est pas euh, comment dire ce qui est... Pré précisément, ce n'est pas une propriété, c'est peut-être ce qu'il met un peu à part hein, dans le, les productions euh, livresques de cette époque en bande dessinée. C'est que la tendance en bande dessinée, ce n'est pas du tout ça. Il enfin, y, a, y, a, y a des moments où c'est comme ça. Il y a, a, a Carondage, c'est un satiriste aussi, donc son dessin est proche du, euh, du milieu de la presse, euh, etc. Euh, Winsor Mackey, son dessin est assez proche de ce qui se fait dans le domaine de l'art nouveau, mais c'est vraiment des exceptions. La tendance dans le monde des bandes dessinées est plutôt de se tenir assez éloigné plastiquement des avant-gardes contemporaines, créant leur modernité, trouvant pour l'affirmation euh, de la modernité propre aux bandes dessinées d'autres moyens, euh, d'autres espaces, d'autres façons hein, de, 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 de prier un chemin euh, à une modernité singulière. Mazrel, lui, s'inscrit plutôt par son approche plastique, en tout cas, dans euh, les différents courants expressifs qui lui sont contemporains. Donc voilà, le deuxième, c'est J.A.D., l'idée, euh, sa naissance, sa vie, sa mort. C'est euh, probablement celui qui est un peu le lourd, enfin vraiment, il est assez lourdingue. Euh... Et ce qui est intéressant, par contre, dans l'idée, voilà, vous allez le voir ici, hein, c'est que c'est que dans la séquence temporelle, il est incroyablement condensé. C'est-à-dire qu'on est à deux doigts, là, du flip-book, j'exagère un peu, hein, mais il y a un rétrécissement régulier dans l'idée de séquence temporelle. Et dans mes souvenirs, c'est le seul où il tente ça. Et du coup, il y a des brusques mouvements d'accélération, d'accélération, voilà, qui fait que la proximité des événements à certains moments donne plus de puissance encore aux cassures d'espace euh, de l'articulation euh, narrative. Des cassures d'espace et de temps. Du fait d'avoir euh, écrasé un petit peu le, le temps à certains moments. Hop. Alors, quel logiciel j'utilise pour gérer mes images Pour les montrer là Voilà, c'est des PDF, donc euh, j'utilise Sumatra, tout simplement. Si vous voulez, on peut se rapprocher un peu de la matière. Hein, si vous voulez voir un peu comment s'est foutu de près. Ce que je ne vous ai pas montré de près. Bon, là, c'est un peu trop crado pour le regarder de si près. Mais... Donc, vous voyez un petit peu le degré de détail, ou plutôt d'absence de détail, qu'il s'autorise pour produire ces images, qui lui permet d'un régime minimum. Ce qui n'empêche pas hein, des grandes compositions. Alors, celui-là est un peu particulier, puisque vous avez deux moments dans le même bois gravé. Et là aussi, chez Mazarel, c'est plutôt rare. Je ne vais pas vous faire une analyse de Maserel là, parce qu'il y en a eu beaucoup d'écrits qui sont plus passionnants que tout ce que je pourrais vous en dire. Ce n'est pas une soirée qui est entièrement consacrée à lui, mais c'est bon que vous voyez quand même de quoi on cause. Et puis s'il si avait échappé à votre sagacité, ben voilà qui est fait maintenant, vous savez, c'est euh, rattrapé, c'est réparé. Vous savez de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, c'est plus simple qu'avant d'en retrouver, puisqu'il y a eu pas mal de rééditions de Maserel une façon générale moi je vous suggère à ne vous encombrer quand même de mon livre d'or que plutôt une réussite je sais plus qui a publié ça euh, parce que j'oublie tout voilà et on l'histoire voilà, bon, sans parole et euh, amusante mais euh, bon c'est pas c'est sur un tout petit motif, euh, motif sur le désir, l'inassouvissement, puis l'assouvissement, et évidemment euh, un renversement de situation. Bref, je vous épargne ça, puisque c'est quand même un, une série de clichés euh, pas forcément passionnants. Le résultat plastique est un peu plus tard que, que d'habitude. C'est vraiment pas un bouquin que j'aime beaucoup de Mazrel, euh, pour plein de raisons que je vous épargne. Mais le principal, c'est que vous ayez vu un peu tout ça de près et que vous sachiez. Euh, de quoi on cause, hein. euh, voilà. Donc euh, vous savez tout. Alors, qu'est-ce que je disais On en était à euh, à Mazarel, Barbus, légende clarté. La notion de radical a perdu de son tranchant initial. Romain Roland, volontiers cité comme le prophète d'une humanité meilleure, est lui aussi un radical doux, comparable par exemple à Herriot au plan politique. Et au passage, la ressemblance de ce dernier avec Hebert n'est pas seulement physique. Alors là, on touche vraiment à la, à la vie politique et intellectuelle de cette période. Euh, Romain Roland, euh, je pense que vous connaissez peut-être mieux que les autres, je ne sais pas. Euh, donc, c'est un écrivain français euh, de cette période, fin 19e, début 20e, et euh, auteur de pas mal de théâtre hein, et de romans, mais pas que. Hein, c'est aussi un, un musicologue, hein. euh, pacifiste. Hein. Bah là, pendant la Première Guerre, il était très engagé dans la pensée du pacifisme, et, mais aussi dans la théorisation du pacifisme. Donc, euh, Il va rencontrer Gandhi, euh, Rabindranath Tagore, euh, etc. Donc, il va développer une pensée pacifiste euh, comment, euh, qui peut servir de modèle à hein, pas, euh, pas mal de gens. C'est aussi un lecteur et un défenseur du, du freudisme naissant. Je ne sais plus s'il a eu une amitié avec Freud ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il qu défend et qui l'intéresse. Et il est inscrit dans la création du mouvement euh, du Front Populaire. Voilà. Donc, il écrit euh, dans une revue euh, de gauche connue à cette époque qui s'appelle euh, La Commune. Et il est d'une fidélité continue, sans nuance, euh, à Moscou. Hein, qui va beaucoup l'exalter euh, jusqu'à un certain point. Euh, son, son petit regard va se dessiller, son, son âme immortelle se fendre de haut en bas avec la signature du pacte germano-soviétique en 1939. Et là, c'est fini. L'amour pour Moscou, c'est fini. Édouard euh, Hériot, euh, bah, vous en avez peut-être entendu parler, fait vraiment partie de la vie politique euh, sur le nombreuses années françaises. C'est un bonhomme quand même certaines longévité dans la vie politique. On le voit apparaître, je crois, dès le début du 20e. Il est né au 19e. Il est mort euh, dans les années d'après-guerre, peut-être euh, fin 50, début 60. Quelque chose comme ça. Donc quand même, une carrière assez longue. Et il a occupé plein de postes dans l'histoire politique française, des postes importants, dans sa longue longue carrière, il était député, sénateur. C'est un membre du parti radical, euh, au début, mais avec une certaine frilosité pour les trop grands virages à gauche. Hein. C'est pas trop son truc, euh, quand, quand son parti vire trop à gauche, oh là là. Euh, il a participé à la création du Front Populaire. Donc c'est un laïcard engagé, lui aussi, dans la séparation de l'Église et de l'État. C'est un truc important à cette époque, c'est pour ça que je reviens souvent là-dessus. Hein, mais bon, il a un parcours un peu compliqué, il a un, un virage plutôt diplomatique, il fait passer par l'HP pendant la guerre 39-45, euh, je ne sais plus pourquoi, dans quelles circonstances, etc. Euh, il a ses petits moments, lui aussi, de moscomanie, comme euh, Roland, Romain Roland, pardon, euh, euh, lui cédant les années 30, hein. Et il va finir en pompe, hein, je crois, il va finir président de l'Assemblée nationale, il va rentrer à l'Académie française, enfin voilà, comme beaucoup de bibelots vénérables d'après-guerre, l'Académie, c'est son destin. Et il parle de qui Il a de la, de la ressemblance avec Friedrich Ebert. Beaucoup, beaucoup moins aimable. Alors, erio, aimable façon de parler. Hein. C'est pas non plus un, un ami politique, faut pas déconner. Mais Ebert, lui, euh, dont en gros, je qu'il serait son équivalent allemand. Mais bon, on est qu'en 1919, hein, donc il va se passer beaucoup d'autres trucs. Qui pour l'instant ne peuvent pas rentrer dans la ligne de compréhension, enfin de vision, de euh, comment, de de grosse à ce détail près que la compromission des Berthes euh, à ce moment-là, dans l'immédiate après-guerre, euh, avec les conservateurs, je crois qu'elle est déjà largement effectuée. Hein. Euh, C'est un membre du foutu parti social-démocrate allemand, le parti de toutes les trahisons euh, politiques. Et il va incarner pour ce parti. Euh, la droitisation de, de la SPD. Donc il va ouvrir là, là on y est, hein, on est en 19, donc c'est l'après-guerre, il ouvre la République de Weimar euh, dont il va être le... Premier président du Reich, juste après que, que Guillaume II ait abdiqué à la demande de Hindenburg. Il a abdiqué dans le grand bordel insurrectionnel de la fin de la guerre. Il est parti se planquer en Hollande, le petit père Guillaume II, et donc Friedrich Ebert, à ce moment-là, euh, devient le premier président de la République de Weimar. Voilà. Donc il va incarner euh, comment, la droitisation euh, du SPD. Et comment il l'incarne bah, bah, par exemple, en faisant écraser le mouvement spartakiste, voilà. Après avoir exclu les antimilitaristes euh, comme Rosa Luxembourg et ses potes, euh, et bah, il va faire écraser le mouvement insurrectionnel et il va, il est en partie responsable de l'assassinat de Rosa. Et avec l'aide de milices, euh, qui n'est pas du tout exagéré d'appeler euh, pré-fascistes, en quelque sorte. Hein. Il a soutenu le. Le maintien de l'ordre contre les mouvements de l'extrême gauche de cette époque, en réprimant tous les mouvements marxistes qui pointaient leur petit nez, et en s'associant à chaque fois sans vergogne avec les conservateurs. Voilà, genre Cap, enfin, ce genre de, de. qui va être lui l'instigateur d'un coup d'État à l'époque. Bref, Hébert, c'est pas votre ami, je trouve un peu cruel de le comparer à Rio. quand même, un radical doux, ouais. Euh, peut-être que c'est ironique, hein, peut-être qu'il y a chez Grosse quelque chose qui m'échappe, une petite touche d'ironie, c'est pas impossible. La France du véritable pathos révolutionnaire et de la satire sociale irréconciliable, celle qui nous est chère et familière, appartient au XVIIIe et XIXe siècle. Comparer le journal humoristique La Charrette avec l'ancienne assiette au beurre révèle une décadence semblable à celle que l'on observe par exemple dans le Simplicissimus. Alors, euh, la charrette, je ne vous en ai pas parlé quand j'ai parlé des, euh, comment des, euh, des différents euh, magazines qu'on pouvait trouver à cette époque. Alors, le Simplicisimus, c'est un, un hebdomadaire euh, allemand que je ne connais pas bien. C'est un hebdomadaire municois, pardon. Euh, euh, je crois que c'est que à Munich, dans mes souvenir. Ah, je sais plus euh, bref c'est un hebdo euh, la fin du 19e qui va durer assez longtemps euh, pendant jusqu'à la deuxième guerre mondiale hein. au départ il est plutôt dans la lignée de certains euh, périodiques français mais on va dire euh, avec une piédeur politique c'est pas l'assiette over quoi il s'inspire plutôt de magazine Gilles blas alors Simplicissimus, c'est un héros, euh, comment, une sorte de, si j'ai bien compris, d'un écrivain allemand pendant la guerre de 30 Ans. C'est un roman assez célèbre du 17 e euh, allemand. La tendance est plutôt hein, anti-militariste et libertaire. Ils vont publier des gens comme Rilke, entre autres choses, enfin, plein, plein d'écrivains jusqu'à la Première Guerre. Mais dès la Première Guerre, euh, Simplicissimus va se rabattre sur la ligne générale nationaliste qui va frapper un grand nombre de publications. Euh, comment? Euh, euh, allemande de cette époque, donc ça explique le discrédit euh, pour euh, Georges Gros qui tombe dessus. Quant à euh, la charrette, le titre entier, je crois, c'est La charrette Charrie. Hein, et j'en ai chopé euh, un premier exemplaire qui est quand même très beau parce qu'il est entièrement réalisé par Beaufa euh, merveilleux euh, illustrateurs et la charrette Chari a pas mal publié Lucien Laforge dont je vous ai euh, parlé tout à l'heure. Si toutes ces questions vous intéressent des revues satiriques et que vous voulez voir à quoi ils ressemblent, j'ai un lien général pour les revues satiriques. Que voici. Là, chez Gallica, vous allez trouver énormément de, de numéros numérisés d'un grand nombre de revues satiriques de la fin du 19e et du début du 20e. Enfin, beaucoup de choses tout à fait extraordinaires. Et la Charrette Chari a son propre index sur Gallica que voici. Hop, je vous le file. La alors, alors, Charrette Charry c'est un magazine qui est paru assez peu de temps. Donc il part, c'est bien après tout ça. C'est après tout ça. C'est après les grandes aventures des, des choses comme l'assiette au beurre. Il y a vraiment un affadissement, en tout cas de la dimension agressive et très politique, c'est-à-dire. La, la presse satirique devient finalement ce qu'elle est restée après par, par la suite, c'est-à-dire un machin qui ne sert pas à grand chose, à part à se tenir chaud au, au, entre nous pour dire ah là là on est drôlement à gauche, hein. et puis euh, c'est tout. Euh, là où euh, les autres étaient des organes de presse qui participaient vraiment, qui s'adressaient par exemple l'assiette au s'adressait directement euh, à la population ouvrière hein, et euh, elle c'était actif, c'est-à-dire ça avait des effets non négligeables sur les changements de position, l'analyse de la situation. Euh, et, etc, etc. Donc la Charrettiari, c'est plus tardif, c'est euh, dans les débuts des années 20, ça va sortir deux ans, ça a été euh, comment c'était dirigé par un certain Paul Rebout, donc je ne sais pas grand chose. Hein. Euh, la revue, c'est difficile de la choper parce qu'elle est en très sale état en général, elle est très abîmée. Les... Le tirage courant de la Charrettiari, vous le verrez hein, sur l'exemplaire que je vous ai chopé. Euh... Alors où oui, je l'ai foutu les... Le papier courant est un papier très cassant et s'abîmait énormément. Il y a eu pourtant des trucs un peu mieux conservés parce que euh, la charrette charie faisait un tirage de luxe. Oui, C'est un drôle d'esprit, mais il y avait un, un tirage sur un papier un peu plus luxueux pour les bourgeois. Déjà, ça dénote quand même un esprit un peu particulier. Euh, du coup, ceux-là ont mieux résisté à travers le temps. Et je vais vous montrer celui qui est... Euh, Publié, enfin celui qui a été entièrement consacré euh, à Gus Bofa hein, qui a été ouvert à Gus Boffa, avec un texte de rebout, donc le rédacteur en chef de cette époque. Voilà à quoi ça ressemblait, la charrette charrette. C'est ça dont parle Gros, quand il dit qu'il y a une certaine décadence par rapport à l'assiette au beurre. Là, c'est le cirque. Vous allez voir apparaître effectivement une certaine inoffensivité du projet. Alors, je ne sais pas s'il si est lisible, si cette euh, inoffensivité est lisible elle-même. Hein. Alors, vous avez tourné cette première page comme on écarte la draperie qui masque aux passants les banquettes d'une baraque foraine. Entrez, prenez place, nous allons essayer de vous divertir. La piste où Gus Boffa montre au public quelques épisodes de la vie des clowns et de la vie des hommes n'est pas seulement ainsi, c'est le théâtre universel. D'une certaine manière, la, on, on sent que l'allégorie la, foireuse va servir de garde-fou politique. Euh, on peut se réfugier beaucoup plus simplement hein. derrière cette brave petite allégorie sans peine. Bon, heureusement, les dessins de Bouffa sont, sont inouïs, donc ça nous donne quand même un, un certain plaisir. <laughs> C'est très, très, très beau. Alors on a une double page. Alors, oh, pas les chiens maintenant, on s'est tapé déjà une dizaine de chats avec Steinland tout à l'heure. <laughs> Alors, on va arrêter de gâtifier avec les bêtes ce soir. Bon, c'est magnifique. Hein. Puis la mise en couleur est assez surprenante, évidemment. Voilà, une petite nouvelle d'un certain Maurice Desbocas. Et voilà, donc là on a notre euh, numéro de la charrette chari, voilà à quoi ça pouvait euh, ressembler. Il ne sert à rien de rêver. La France est, est aujourd'hui fait... morte, intellectuellement et spirituellement. Et ceux qui continuent de parler de tradition constateront en observant et en scrutant ces différents piliers qu'on y retrouve le même, évidemment, les mêmes fissures que partout ailleurs dans l'Europe de la culture. Il n'est pas moins faux d'affirmer qu'après des années d'errance et d'expérimentation, l'art français a désormais renoué avec son ancienne tradition classique. La stupidité de ce discours est encore plus évidente quand, ainsi que j'ai pu le dire à maintes reprises, on l'utilise pour dénigrer ce qu'on désigne comme l'expressionnisme, ses déformations, ses exagérations, et affirmer que de l'autre côté, on aurait définitivement fini avec tout ça. On en serait revenu au fleuve tranquille du contour, à la noble construction de la composition, au tableau de genre mythologique, classique, idyllique, de Poussin, le nain, Ingres. Ah oui, c'est pas fou que dans l'immédiate après-guerre... Il y, a, euh, il y a une vague tendance à, à, pour certains artistes à revenir à, à certains fondamentaux plutôt conservateurs, hein, assez réac. Il y a des choses comme de hein, ou ce genre de trucs. Euh, le cubisme analytique va devenir cette espèce de connerie décorative. Enfin, C'est déjà pas passionnant, vous savez ce que je pense du cubisme, on va pas revenir là-dessus, puisqu'on a passé quand même beaucoup de temps là-dessus avec euh, Baxendal, qui fait une très belle analyse du portrait de kahn euh, par Picasso. Donc je vous renvoie aux différents en live sur ce, sur ça, sur l'analyse de, des tableaux et qui est évidemment à travers ça une analyse du mouvement euh, cubiste à travers son histoire. C'est un très beau, très beau passage de Baxendal. Donc oui, un, un retour à, j'irai pas à l'ordre, mais oui, il y, a, il y a une espèce de nouvelle figuration un peu molasse qui suit la Première Guerre. Mais à côté de ça, euh, il y a sur les vestiges de Dada, euh, il y a le surréalisme qui naît qui n'est pas, même si je déteste ces conneries, qui n'est pas ce que j'appellerais un mouvement bourgeois, faut pas non plus déconner, ni un mouvement euh, académique, faut, faut pas déconner, donc euh, quoi que j'en pense, c'est quand même, le truc qui est en train d'oublier Gros, c'est ce qui va exploser en France, rend... c'est ça qui va exploser, Alors, en 19 évidemment tout ça n'émerge pas vraiment, mais euh, ça veut dire que Gros ça a un peu vite fermé le bouquin, quoi. il a été très rapide. Tu gatifies si tu veux. Je ne peux pas t'en empêcher, Jésus. On ne territ pas d'éloges en citant volontiers Picasso ou ah Il a écrit des reins, donc c'est Derain. Deux reins, je voulais pas. Et là, oui, pour le coup, en termes de conservatisme, on fait pas beaucoup mieux. Lesquels ont, comme chacun sait, retrouvé leur chemin et nagent désormais dans le doux lit de la grande tradition française. Bon, là aussi, c'est rapide. Picasso, c'est un type qui, toute son existence, va pas cesser, comme Pénélope, de reprendre sa tapisserie, sauf qu'il va changer le motif tout le temps, il va partir dans toutes sortes de directions. Il y a des périodes nulles, des périodes chirotes, des moments où je se demande ce qu'il fout, où c'est hyper tartouille, et puis d'autres où ça part dans tous les sens, c'est démesuré, c'est agressif, c'est beau, c'est une liberté incroyable, et ça, jusqu'à sa mort. Les derniers Picasso, les Picasso des années 70 sont parmi les plus impressionnants de liberté. Donc là encore, en Grosse va un petit peu vite en besoin. Mais regardez regarder ces nouveaux tableaux de Picasso, quelque chose frappe immédiatement. Les formes. Elles ne sont pas moins altérées que les têtes et les corps de nos tableaux expressionnistes qu'on vilipende et que je n'entends pas défendre, quand bien même leur dureté censément gothique me plairait davantage, à titre personnel, que les formes de Picasso, pareilles pareil à celles de poupées de caoutchouc gonflées évoquant l'éléphantiasis. Mais qui a-t-il là-dedans de classique Où est la ligne noble La seule chose que ces expérimentations ont en commun avec le classique, c'est l'ennui qu'elles suscitent. Je suis assez d'accord pour trouver le cubisme synthétique assez ennuyeux, mais euh, il l'est surtout théoriquement. Le, le, le socle théorique est profondément chiant, et euh, d'une façon générale, quand on regarde les tableaux, il se passe d'autres trucs. Déjà, il faut les regarder un par un, parce que tous ne portent pas, je dirais, les, les, les mêmes qualités. Certains d'entre eux restent passionnants, enfin, il y, y, y a plein de... Il y a toute une pluralité d'exceptions qui se nichent dans ce que je suis en train de décrire. Moi aussi, je vais un peu vite en besogne. Euh, ce n'est pas bien. Euh, là, euh, le, je crois que, que le, le caractère néoclassique, s'il y en a un, il est à chercher du côté de la théorie. Je ne sais pas dans quelle mesure il hein, y a vraiment un rejet de l'expressionnisme euh, à, à cette époque. Euh, C'est-à-dire comment en 1919 est jugée la tendance expressionniste qui a... Peut-être vécu son temps euh, différemment en France. Il faut aussi comprendre ça. C'est ça, ça s'inscrit pas dans les mêmes euh, plans euh, dans tel et tel pays. Donc effectivement, Gross, Beckmann, Otto Dix poursuivent une aventure, mais sur un plan complètement différent, complètement revigoré, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi un esthétisme balourd de toute une branche de l'expressionnisme. Donc une espèce d'idéalisme passionnel assez con euh, qui vaut bien en termes de, de, de je dirais d'autosatisfaction les pires moments du romantisme. Donc, c'est pas quelque chose d'unifié ce qui se trame entre euh, Dibruque, le Blauer Reiter et par la suite ce que vont faire advenir des gens comme, comme Gross ou Dix. C'est autre chose quoi. Et euh, il est tout à fait euh, absurde d'attendre des Français qui ont une autre expérience de euh, cette peinture expressive qui a une autre histoire aussi, puisqu'elle a commencé ailleurs. On peut dire d'une certaine manière que les rapports expressifs potentiels. Euh, de la, la peinture comme peinture sont pensées dans des mouvements qui ne sont pas le mouvement expressionniste auparavant. Il euh, y a les prémices d'un fauvisme, donc une certaine dynamique euh, à la fois chromatique, plastique, euh, vécue autrement dans la peinture d'Amatisse ou chez gens, et qui fait qu'au fond, euh, probablement, la tentation expressionniste ne jouit pas de, de même potentiel. Elle peut avoir usé, fatigué, lassé euh, les artistes français plus vite parce que bah ils ont été trouvés ailleurs. Euh, la question euh, de euh, cette espèce de vitalisme euh, explosif, débridé et agressif, euh. je pense pas que ce soit un procès très fécond à faire parce qu'il suppose au fond, hein, l'implicite de la critique de Grosse, c'est de croire lui-même à une certaine universalité du plan artistique, puisque c'est un peu au nom de cette idée qu'il reproche à tel pays de ne pas se comporter vis-à-vis euh, -vis des nouveautés comme tel autre. Ce n'est pas une super idée, je pense. Je pense qu'il y a une faiblesse, en tout cas, à, à cette analyse qui serait dans cet ordre-là, quoi. Grande fadaise que ce néoclassicisme au moment où les conditions sociales et celles qu'on appelle économiques sont profondément empreintes de division, de complicité et d'égarement. Aujourd'hui, les efforts déployés, y compris par des talents éblouissants, pour créer un style classique ne sont pas autre chose que des recherches de second plan sans effet sur la stagnation créatrice générale. Alors là, je regrette, parce que le temps a passé, qu'ils ne disent pas de quoi ils parlent. Quand je dis le temps à passer, ça compte beaucoup et c'est vraiment un problème général quand on, quand on ausculte comme ça des textes historiques, c'est un problème qu'on rencontre très très souvent. C'est, euh, vous avez affaire à un texte, c'est une chose dont parle souvent Agnès à propos des, de l'autobiographie de, de, de Simone de Beauvoir, qui la passionne, mais Beauvoir, par exemple... Passe son temps à parler de gens dont elle ne précise pas qui ils sont, ce qu'ils font, parce que c'est une évidence pour elle, en 1950. Tout le monde connaît ces gens. Sauf que dix ans après, plus personne ne sait qui ils sont. Alors autant vous dire qu'en 2024, quand vous lisez ça, la moitié de ces gens n'a laissé aucune trace, donc c'est raté. Et là, le fait qu'ils ne prennent pas le soin de nommer, donc comme si c'était une évidence, les figures et les incarnations de ce néoclassicisme à la française, bah pour moi, c'est devenu compliqué. Parce que quand je regarde ce qui se trame dans l'immédiate après-guerre, euh, je vois pas vraiment exactement de qui il parle qu'est-ce qui l'affecte autant euh, C'est pour moi c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une explosion des tendances euh, notamment euh, il y a toute une peinture géométrique qui va se mettre en place il y a plein de trucs qui bougent à ce moment-là et qui n'ont rien à voir avec un quelconque néoclassicisme il y a le surréalisme dont je vous parle Bien, effectivement, il y a la poursuite d'autres aventures, un certain affadissement du cubisme, mais bon, on s'en fout du cubisme, il est déjà quasiment mort à ce moment-là. Il deviendra plus qu'un prétexte décoratif pour poursuivre le pompierisme de certaines figures comme Tamara de Lampica ou ce genre de merde, mais on s'en branle en fait. Qui ça regarde, ce que ça devient, ces cochonneries Aucune espèce d'intérêt, franchement, hein, on ne va pas faire une critique de l'expressionnisme sur la base de Van Dongen par exemple, c'est complètement con. Ben, on ne va pas faire pareil avec les derniers sursauts. Euh... De l'ennui mortel que peut diffuser effectivement tel ou tel mouvement. Donc, j'aurais aimé qu'il précisât un peu de quoi il parle afin que nous sachions euh, quelle est la cible de sa critique. Hélas, il ne l'a pas fait, jugeant sans doute que bah, c'était une évidence et ça l'était peut-être en 1919. Égal, hélas, pardon. Rien de bien nouveau sous le soleil. Au moins, les peintres classiques d'autrefois accordaient-ils une importance essentielle à leur sujet. De grands événements, des motifs héroïques tirés de l'histoire humaine. Ils modernisaient des héros bourgeois à l'antique. Je ne sais pas si on doit se réjouir d'un maintien du sujet. Et en plus, c'est pas non plus une constante. Hein. Alors, le maintien du sujet chez Chardin et chez Watteau, par exemple... On s'en bat un peu les steaks. Hein. Chez Vermeer, je ne suis pas sûr, même s'il y a une profondeur quasi métaphysique qui dégage de la peinture de Vermeer, n'empêche la question du grand sujet. Au 17e hollandais, on s'en fout un peu. Enfin, Ce n'est pas ça le sujet. En gros, il n'y a pas que la peinture d'histoire, euh, que, la, que les, les, les constructions historiques ont produite, même quand elles, elles marquaient un retour, par exemple, à une certaine approche de la, de la picturalité. Enfin bon, je... Il faudrait être un peu plus précis, un peu plus spécifique, mais euh, ça demanderait quand même euh, ça demanderait une analyse plus rigoureuse pour euh, voir s'il y a vraiment une justesse à cette vision un peu générale, un peu évasive euh, de l'importance du motif héroïque euh, de l'histoire humaine. Les néoclassiques actuels n'ont plus que les trois pommes de Cézanne, et Dieu sait qu'une génération plus ancienne en a d'ores et déjà largement vécu. Ah oui, c'est évidemment, là, là c'est vraiment une critique du cubisme. Donc s'il s'attaque à ça, on ne peut pas dire qu'il s'attaque à l'art français. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, il se passe bien d'autres choses dans l'immédiate après-guerre. Et si c'est une critique, puisque c'est celle-là dont il s'agit, l'héritage césanien, euh, à quel endroit il va devenir une vieille marotte ridicule entre les mains des Metzinger, Marcoussi, Lott et tous ces couillons bah, C'est effectivement dans le mouvement euh, cubiste synthétique et, euh, et plus ses affinités. Euh, mais il se passe d'autres trucs. On ne peut pas rabattre toute l'activité française sur ça. Enfin, même si on en a regardé ensemble autrefois. Je ne sais pas quoi en penser. Ça ne m'excite pas beaucoup, Robert et Sonia Delaunay. Mais bon, c'est autre chose qui s'y trame. Je ne trouve pas ça foufou, mais c'est autre chose. C'est d'autres problèmes qui, qui vont s'y jouer. Donc, tout ce côté-là, je pense, ce géométrisme dynamique, bah... Euh, il, il, il ne fait pas que tirer euh, sur euh, la, la vieille trame césanienne euh, jusqu'à la corde une primo modernité pas du tout il fait pas ça merci pour le follow Octose, et bienvenue ici bref ça me semble un peu rapide et euh, extrêmement euh, étriqué comme regard porté sur ce qui se produit à ce moment là ça veut pas dire hein, que ce raffermissement néoclassique n'existe pas à une plus grande échelle mais c'est pas là avec juste cette attaque là qu'on va pouvoir y voir plus clair de fait, le classique d'aujourd'hui n'a pas les moyens d'être moins dépourvu d'harmonie, moins hostile aux idées, hypocrite et déformé que les autres manifestations sociales de la culture de classe bourgeoise. Donc, le classique d'aujourd'hui n'a pas les moyens d'être moins dépourvu d'harmonie, moins hostile aux idées, donc moins hypocrite et moins déformé que les autres manifestations sociales de la culture de la classe bourgeoise. Il demeure en définitive un emprunt raté à la grande bourgeoisie française du passé. Cette sensation d'une proximité avec le classique s'enracine sans doute dans une volonté de répit après-guerre. Un sentiment de sécurité éprouvé par le vainqueur. Alors ça, c'est pas impossible. On ne peut pas écarter. Il enfin, y a bien une, une, une raison à ça aussi, c'est que le pacifisme forcené, l'antimilitarisme, euh, la violente satire sociale anti-bourgeoise d'avant-guerre véhicule une alerte constante à ce qui vient. C'est-à-dire, précisément, à une guerre instrumentalisée par la bourgeoisie industrielle, etc. Enfin, toute cette saloperie quoi, qui va entraîner des millions d'hommes qui sont juste de la viande à canon euh, pour satisfaire la, la démesure vorace d'une poignée de fous furieux. Euh, les mouvements d'avant-guerre, très tumultueux d'avant-guerre, préparent le terrain à une mise en alerte de ce bordel. Donc évidemment, dans l'immédiate après-guerre, il y a un affaissement de cette nécessité. À part, hein, on vous l'avait bien dit, bande de glands euh, ». Il n'est pas nécessaire, on ne va pas créer un mouvement artistique du. On vous l'avait bien dit, hein, ça n'a pas, pas beaucoup de sens. Donc évidemment, euh, il y a certaines urgences qui sont plus urgentes, quoi. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres luttes en cours. Il y a plein de luttes sociales qui, donc, qui sont urgentes. Mais dans l'immédiate après-guerre, donc en 1919, il y a surtout, je pense, l'habitude de ce qui vient d'arriver. En tout cas dans les milieux artistiques, je pense que c'est vécu comme tout, tous les milieux sociaux à ce moment-là. Mais un monde où persistent les luttes de classe, donc oui, évidemment, hein, quand bien même la façade offerte par la France les rendrait moins visibles encore qu'en Europe centrale par exemple, excusez-moi, j'ai très mal lu cette phrase, c'est de la merde, hein, c'est une lecture de cochon, je vous la refais. Euh, mais un monde où persistent les luttes de classe. Combien même la façade offerte par la France les rendrait moins visibles encore qu'en Europe centrale par exemple, condamne une idylle de cette nature à l'artificialité et à l'inconsistance. Aujourd'hui, Paris n'est plus le centre de l'art, et d'ailleurs, un tel centre n'existe plus. S'y rendre aujourd'hui en pensant arriver dans le cœur artistique du monde, c'est vouloir reprendre le fil d'une histoire qui s'est enfin achevée en 1914. À quoi bon? Et à considérer qu'il faille avoir fait le voyage à Paris. Pourquoi faudrait-il que ce soit avec une idée préconçue Donc ça, c'était le premier texte. Ok. Bon, 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 bon. Il y a quelques raccourcis. Mais bon, on voit bien où il veut en venir. Ben, on est exactement, je dirais, dans le, le même euh, le, la, les mêmes propositions hein, que dans les textes précédents. C'est un désir. Euh, de, de soumettre les exigences de la pratique de, de l'art, de la pratique de l'art, de la vie artistique, des artistes, des productions, de les soumettre à celles évidemment euh, des enjeux sociaux et notamment euh, effectivement de la de la lutte des classes, c'est-à-dire euh, impliquer euh, les artistes à travers leur art, ce qui est quand même là que c'est peut-être plus enfin c'est une autre question, c'est-à-dire est-ce euh, que quelque chose comme un projet lisible de ces problèmes doit absolument être noté, notable, euh, dans les œuvres. En tout cas, la question de la redondance, dans ce cas-là, ne peut pas ne pas se poser. C'est-à-dire juste, si c'est à ce prix, de maintenir la spécificité et la singularité euh, d'un monde de l'art. Et c'est là tout l'enjeu. Hein, de, euh, du maintien de la catégorie A d'une façon générale au lieu de clamer tous les 10 ans l'arrêt mort euh, ce qui est franchement pas super intéressant quoi. bon allez on va continuer avec un second texte parce que vous avez été sage d'ailleurs vous avez été sage qu'est ce que c'est que ce bordel qu'est ce qui vous arrive heureusement que je suis de temps en temps et là <laughs> pour intervenir et dire un peu euh, n'importe quoi de temps en temps. <laughs> à gâtifier sur les chiens-chiens. Alors, le texte que je vais vous lire est un autre texte de George Gross et Wieland Hatzfeld, qui s'appelle Au lieu d'une biographie. Euh, je ne sais plus de, de quoi on parle dans ce texte. On y va. C'est assez court. Alors l'ordi qui surchauffe. Tu peux. Tu ne peux donc être passage par intermittence. Ah bah oui merde. Vous prenez des notes dans vos têtes. Moi ah bah, ça va être joli. C'est le manque de da qui vous déprime. Mais ça va revenir Agdo. Ça va revenir. On est en train de bosser avec Gabriel. On va reprendre euh, le prochain live euh, des Philo. Enfin la série. Le prochain live. <laughs> les dix prochains que vous allez vous manger dans les dents, vous regretterez hein, d'avoir demandé. Hein. Certes, ils seront ponctués par da. Heureusement car vous êtes toujours récompensé euh, après des lectures difficiles, mais on va on va on a décidé euh, à cause de la notule de Alain Ray dans euh, Spectre de la Bande, la notule sur euh, Wittgenstein et le tableau, j'ai proposé à Gabriel de faire ça sérieusement. Et ben Gabriel, qu'est-ce que tu penses D'aborder ensemble le Tractatus logico-philosophicus et notamment à l'intérieur du Tractatus la question du tableau. Voilà. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire et qu'est-ce que Wittgenstein nous offre comme possibilité de penser de façon extensive le tableau comme problème, hein, qu'il s'agisse euh, du tableau d'organisation des idées ou de la peinture, hein, du tableau de peintre. Voilà, donc on, ça va être ça. Hein, et évidemment, chaque live sera ponctué, vous pouvez bien l'imaginer, par quoi Par une lecture de Da, petit venard. Mmh, ça peut être bien au lieu d'une biographie, dis-je, euh, petit texte de Gross et Wilhelm Hersfeld, est-il intéressant On va voir. C'est parti. L'art actuel dépend de la classe bourgeoise et mourra avec elle. Ah bah autant dire qu'elle ne mourra pas, hein, parce que les bourgeois, elles sont pas prêts de crever. Hein. Le monde leur appartenant, on crèvera avant eux. Ils nous auront à sûr. On a beau être plus nombreux, à mon avis. Hein. C'est mal barré pour nous. Euh, le peintre, involontairement peut-être, est une usine à billets de banque et une machine à fabriquer des actions dont le riche exploiteur et poseur esthétique se sert pour placer son argent de manière plus ou moins lucrative et apparaît à ses propres yeux et à ceux de la société comme le bienfaiteur d'une culture qui ne vaut pas mieux. Alors évidemment, ça c'est une question qui reste. Centrale, vous notez qu'on on la pose tout le temps, que j ai, j ai, dans le long live que j'ai consacré à, à Franck Lepage et à sa vision particulièrement conservatrice de l'art contemporain, on aura quand même dû, et c'était nécessaire, effectivement, euh, réinterroger le tressage historique, ne l'avons choisi pas forcément, disons clairement, de la classe dominante. Pourquoi j'insiste Parce qu'on ne peut pas. Si on veut vraiment satisfaire euh, l'interrogation sur le champ A, on doit en maintenir cette espèce d'ouverture, c'est-à-dire ouverture aussi dans le passé. Euh, c'est nécessaire pour produire des outils d'analyse qui nous disent quelque chose de sa forme de continuité. Parce que parler de sa forme de continuité, c'est la seule chose, le seul moyen pour nous de comprendre quelque chose. Des longues dissonances euh, historiques qui vont patiemment en construire, à l'intérieur de la répétition, évidemment, le sujet des différences. Ce qui nous intéresse, évidemment, dans le champ art, c'est le sujet des différences. À partir de là, pour gagner en force d'analyse et de compréhension du problème, évidemment, on doit ouvrir à ce questionnement dans cette espèce de longue chose, ce long continuum bizarre et tortillant qui fait ce, cette torsion du couloir séculaire où, où se niche une pluralité d'activités, d'idées, de positions et de poétiques, tous ensemble appelés art. Obstinément, je veux dire. Simplement pour pouvoir être pensé comme singularité anthropologique, comme cadre d'une singularité anthropologique. Donc, dire, placer ça sous la tutelle des classes dominantes, plus ouvert à une prospective antérieure à la question de la bourgeoisie. Ça, ça outrepasse largement la question de l'assujettissement de la pratique des arts à la bourgeoisie. Même si euh, la plateforme sociale bourgeoise va imposer des modèles d'échange, donc un modèle d'économie particulier, qui est statue aujourd'hui sur... Les formes d'échange possibles et imaginables, donc d'une certaine manière, à, à imposer sa marque hein, de façon très déterminante à la circulation euh, des œuvres, des idées, des marchandises, tout ce que vous voulez, tout ce qui circule, des corps, euh, etc. Donc le mal est fait d'une certaine manière, mais il n'a pas toujours été fait. Voilà. Pour construire les outils de Anna Lise, il faudra déjà savoir quel est son métier. Et oui, c'est vrai, Suze. Et on ne sait pas grand chose d'elle. Elle est discrète, Anna Lise. Euh, donc, voilà la difficulté à laquelle on s'attelle, évidemment. Mais est-ce si différent Réfléchissons à une voix, ça va peut-être nous aider. Le monde constitué d'un point de vue social, politique et historique, est celui de l'ensemble des organisations dans lesquelles nous naissons. Nous ne naissons pas dans un élan de spiritualité extraordinaire quelque part dans le ciel, au-dessus des cités, mais bien déjà pétries du tissu des forces qui s'exercent à les faire naître, à les faire émerger et à en faire durer la composition et la violence. En gros, nous sommes nés quelque part dans un lieu qui nous dépasse largement en termes de coercition, mais aussi d'opportunité de vivre. Et nous composons au quotidien le fait de continuer à vivre en tenant compte de ce déjà donné. Ça veut dire un déjà donné politique, social, mais aussi technique. Et à chaque fois que nous agissons, en conscience, nous mesurons entre l'ambition d'être à la hauteur de soi-même, c'est-à-dire la représentation qu'on se fait éthiquement de notre devenir, et la possibilité immédiate de le produire, on compose un jeu de possibilités, salut Solarius, qui a raté le moment chat. Euh, ça, ça veut dire que. Vous le voyez très bien dans les conversations politiques en général, on est pris dans une espèce de difficulté considérable. Salut, Mia. Quand on nous intime l'ordre de faire certains types de choix qui ressemblent à un renoncement d'une partie du déjà là. Alors des fois, renoncement technique euh, euh, parce que la technique eh ben, elle est prise dans les appareils politiques et elle est euh, elle nous met sous tutelle et elle est elle-même sous tutelle d'un certain ordre bourgeois, euh, mais aussi dans le tissu de l'organisation quotidienne, choses à faire ou pas faire, façon de vivre, de manger, de s'habiller, etc. Je pense que ces difficultés, qui sont réelles, hein, genre faire Twitch sur Amazon, c'est-à-dire être entre les mains d'une euh, machine produite par Bezos, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est quelque chose dont il faut savoir peser la bizarrerie. Faut, faut... La seule chose dont on doit se garder, c'est de considérer ça comme une évidence, ça n'en est pas une, d'en faire un, un des nœuds du problème et de se poser la question de notre position dans ce problème et des différents impératifs, euh, c'est-à-dire une hiérarchie des impératifs qui se proposent à nous dans l'organisation de notre vie politique quotidienne. C'est très compliqué, il n'y a pas de solution idéale. Euh... Il n'y a pas beaucoup, je dis, il n'y a pas des grilles éthiques merveilleuses euh, qui de son mode d'emploi qui nous rendraient justes. Hein, à coup sûr, en l'épousant, ça n'existe pas. Donc on passe notre temps, en gros, à exister comme être stratégique, comme sujet stratégique. Je ne vois pas en quoi le fait que les œuvres d'art naissent effectivement. Dans les modalités de circulation, d'affichage et parfois de demande des puissances, enfin de la domination, les soumet à une espèce d'inoffensivité totale euh, devant les mots d'ordre de cette domination. En fait, ça n'est pas vrai. Et c'est une chose qu'Adorno analyse super bien euh, dans euh, sa théorie esthétique. Donc là, je vous renvoie aux quelques lives sur euh, la théorie esthétique et notamment. Précisément à l'endroit où Gros se trompe, c'est que là où l'art ne succombe pas à l'ordre bourgeois, c'est quand il ne se laisse pas intimer l'ordre d'une polarité affirmée par la partition bourgeoise. En gros, quand vous assujettissez, quand vous aliénez les œuvres d'art à une position déjà prise dans le reste de la vie, alors vous arrachez à la position art la possibilité d'abdiquer cette façon de découper le monde et de proposer une force sous-jacente d'une autre nature. Donc oui, l'art est effectivement pris dans sa définition, dans sa composition, dans son organisation territoriale, politique, politique, sociale, pris dans euh, une certaine organisation imposée par la bourgeoisie. Mais je ne trouve pas ça radicalement différent de la situation dans laquelle nous nous trouvons à tous les moments de la vie politique, dès lors que nous ne sommes pas dans le devenu révolutionnaire qui est un rêve d'achèvement, ou pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir un horizon révolutionnaire, vous n'êtes pas obligé d'être des créatures en devenir révolutionnaire, vous n'êtes pas obligé d'être disponible pour la révolution, mais n'empêche que cette disponibilité, c'est pas un état d'être. Voilà, et ça c'est important. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas des êtres révolutionnaires. Voilà. Il y a des accomplissements historiques qu'on peut observer. Et euh, ils sont observés dans un trop tard, fatalement. Ce sont des moments. Des moments dont on peut tirer des conclusions, et je dirais, au... qui nous permettent d'évaluer en tout cas notre propre disponibilité à, à d'autres options, d'autres propositions, d'autres opportunités révolutionnaires. En tout cas, gardez ça en tête dans les reproches qui sont systématiquement faites à l'art de trop dépendre finalement des contingences bourgeoises. Il y a beaucoup d'impensés à cette déclaration et notamment sur la singularité de la position art. Voilà, J'espère que j'ai été un peu clair, que ce pas trop compliqué. Euh, bah compliqué, je j'ai pas pris des chemins trop tortueux, trop compliqués. Euh, je parle pas de complexité. Des fois, je complique inutilement les trucs et tout le monde a mal à la tête après. Donc, c'est de ma faute. Hein, ça n'a rien à voir avec vous. Donc, faut pas éviter à me le dire si vous avez les neurones qui piquent parce que je suis encore parti dans les coins. Voilà, voilà. Alors, bon, l'art, la bourgeoisie, tout ça, tout ça. Pour beaucoup, l'art est une sorte de fuite hors de ce monde populacier, vers une meilleure étoile dans le pays lunaire de leur imagination, un paradis plus pur, sans guerre ni partisane ni civile. Oui, enfin, ça, c'est lui qui le dit. C'est une des versions. Euh, comment vous avez du doliprane, donc tout va bien. Très bien, très bien, très bien. Euh, c'est une des versions. Parmi tant d'autres, d'une attitude possible dans le désir d'art. Effectivement, c'est la plus conne. Mais euh, que dire Ça n'a rien à voir avec l'art. Je veux dire, ce rapport, c'est un rapport au monde généralisé. Il y a tout autant de sujets qui attendent la même chose de l'amour. C'est de l'évasion, un ailleurs, de la poésie, au oh, cours, dans les champs, on oublie tout, on entre nous. Oh. Et puis voilà, ça, on peut attendre de l'amour, des bébés. Après, je veux faire des bébés, je voudrais bien un chien. Bref, on peut attendre des choses minables, de trucs formidables. Hein, on peut attendre des conneries de l'amitié. Genre, je veux un pote juste pour aller à la pêche. Après, je m'en fous de ce qu'il a dans la tête, j'ai pas envie de lui parler. On est à la pêche, c'est cool. Euh, je dis pas de mal de la pêche, hein. on peut très bien. <laughs> ne mélangeons pas tout. Ça n'a rien à voir avec la pêche, je m'égare. Toujours est-il que ça n'a rien à voir avec l'art, le fait qu'on en attende des conneries. Voilà. Donc oui, effectivement, pour beaucoup, l'art est une sorte de fuite merde. Oui, mais pour beaucoup, euh, euh, l'accomplissement de la vie, c'est aussi des bêtises. Et c'est comme ça. Ben, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pour beaucoup, notre problème dans la vie, c'est les Arabes. Bon, bah ben, oui, c'est comme ça. On vit avec des trous du cul et des abrutis toute la sainte journée. C'est comme ça. Et ils placent leurs problèmes dans des droits aberrants. Ben, évidemment, le monde leur ressemble parce qu'ils sont nombreux. On va pas en chier une thèse non plus. Euh, pardon <laughs> mais oui c'est très bien la pêche ça va une c'est très bien on peut s'asseoir à côté d'un couillon comme nous le cul sur un rocher mais on fait chier les poissons quand même et ça c'est pas bien pour pas faire chier les poissons' bon euh, qu'on continue le culte de l'individualité et de la personnalité qu'on entretient autour des peintres et des poètes est que même, chacun selon ses dispositions, amplifie à la manière des charlatans, et l'affaire du marché de l'art. Plus la personnalité est géniale, plus le profit sera grand. <laughs> On pourrait dire plutôt le contraire. Plus le profit est grand, plus la justification du génie existe. Oui, ce n'est pas le problème. Oui, on tue les asticots, tu as raison cela. Il ne faut pas faire chier non plus les asticots ou les vers. Hein. Faisons pas chier les bêtes. Voilà. Euh... Là, il y a quelques trucs à dire qui sont toujours problématiques. Cette question, par exemple, de la centralité de la présentation de l'artiste au cœur de, de, de la pratique, c'est-à-dire une espèce d'identification de, de la pratique de l'art à euh, la figure centralisée du génie, c'est juste, comment dire c'est-à-dire que si vous, vous escamotez cette espèce d'antienne du génie, est-ce que c'est un problème que ce qui caractérise la puissance particulière de l'art, ce soit le sujet En fait, on s'en fout. On pourrait même dire que dans les rêves d'ontologie de groupe, la nation, que sais-je, quelle connerie, enfin tous les, toutes les productions de collectivités imaginaires dans des positions réalistes. Je vais dire ancré dans la réalité, il est salvateur de temps en temps de ramener le sujet, et notamment la puissance du sujet dans le collectif. D'abord parce que le collectif est un sujet. Et oui, c'est un super sujet d'assemblage. La, la question, euh, par exemple, Sonia et Robert Delaunay, à certains moments de leur vie, forment un sujet quand ils peignent ensemble. Euh, le, le groupe présent de Pensionnette est un sujet. Il euh, y a des moments de vie comme ça où on est quatre, par exemple, là, le, le sujet. Comment Rachel Marmont, euh, qui est un sujet composé de Loïc Largier, euh, Morgan M., Alexandre Hachard et moi-même, elle existe, Rachel Marmont, le temps d'un livre, et c'est un sujet, c'est le sujet que nous formons ensemble. <laughs> Donc la, sujet du, la forme du sujet, ce n'est pas forcément un sujet monadique, c'est juste un rapport de position, de vision et d'action, et matérialisation dans l'expérience de vie d'une production singulière. Salut à toi, Captain Punk. Bienvenue à bord. Donc ces questions-là, évidemment qu'elles sont centrales. Parce qu'à un certain moment, elles viennent, elles viennent rendre fragiles certaines des exigences du collectif, notamment du collectif national, du collectif institutionnel, à l'égard de tous et toutes, et de cet autoritarisme de mes deux. Il m'étonne qu'une pensée anarchisante euh, comme celle de Grosse ne voit pas cette opportunité, a fortiori. Parce que Gross vit avec le sujet grosse Et il ne peut pas ne pas savoir qu'il y a une parfaite contradiction de sa part à pointer du doigt les recettes éculées du cubisme et d'un seul coup à manifester un certain dégoût pour la figure centrale de l'artiste. Il ne peut pas voir un problème dans le dévoiement des formes et d'un autre côté trouver désagréable l'espèce de euh, sanctification subjective euh, autour de la figure de l'artiste. Mais le vrai problème, c'est la sanctification. C'est pas la subjectivité, c'est pas la forme singulière manifestée. La question problématique ici, c'est celle de l'idée débile du génie. Effectivement, cette question est stupide, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, elle, euh, elle, elle vient contaminer finalement de façon quasi mystique et transcendantalisante, un sujet qui n'a pas besoin de ça, qui peut être un sujet immanent, qui n'a absolument pas besoin qu'on vienne encombrer effectivement cette force particulière, qui est une force critique. Il y a un point central à partir duquel la vraie force du sujet, c'est sa position critique de la collectivité c'est qu'en lui-même, il porte l'expression la plus radicale de la position minoritaire. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que rien ne permet à la norme d'exister en dehors de sa désignation, comment on pourrait dire, hostile de ce qu'elle veut présenter comme ses marges abominables. La norme, en vérité, N'a aucune raison d'exister comme norme parce qu'on ne peut pas désigner une positivité de la norme. Il lui faut pour ça en recourir sans cesse à la construction de bestioles imaginaires qu'elle appelle ses marges. Avec euh, les clodos, les pauvres, les roms, tout ce que vous voulez. Enfin, on s'en fout. Ça dépend des sociétés, ça dépend des moments. Enfin, C'est juste une marotte débilitante pour justifier la régulation de nos vies. Bon. Eh bien, la position singulière, on va dire anomique et passionnante, parce qu'elle met en danger jusqu'à cela même, jusqu'à la construction arbitraire de la marge par l'extrême solitude, d'une certaine manière, de l'affirmation de soi pour et devant le collectif. Voilà. Il y a toute une caserne de génie près de chez toi, en douille. Hein. Donc, je vois pas en quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, euh, grosse, met le problème. Euh... Comment il consubstantialise deux problèmes la subjectivité radicale et le génie alors qu'en fait cette association elle est juste sociale elle fait partie du vieux rêve social à la con mais précisément pour enlever euh, du génie au collectif par exemple <laughs> Tout simplement. le vieux mythe de l'inspiration c'est un mythe d'extériorité par exemple on a besoin d'une inspiration pour justifier le fait que les artistes sont des irresponsables. En fait, ils sont touchés par quelque chose qui n'est pas eux. Voilà, une piste de grâce à la con, en fait, on réinjecte un petit peu de mysticisme flamboyant et qui ne mange pas de pain. Euh, là où euh, bah, la question de la critique radicale et de la position subjective bah, est quand même autrement plus problématique pour une société. Comment l'artiste s'élève-t-il aujourd'hui dans la bourgeoisie par la tromperie. Vivant le plus souvent comme un prolétaire à ses débuts, il a trouvé à se loger dans un atelier crasseux, et doté d'une admirable et inconsciente capacité d'adaptation qui le tire vers le haut, il se trouve rapidement un homme influent qui le fait, c'est-à-dire qui aplanit son chemin dans le marché capitaliste. C'était beaucoup le cas, c'est plus tellement le cas. C'est plus tellement comme ça que le marché de l'art fonctionne. Bon, tout a beaucoup changé dans la construction du marché de l'art, mais il y a encore quelques fondamentaux dans l'idée de la construction arbitraire par une partie du marché de l'art, effectivement, de ces figures Alors, euh, qui vont satisfaire finalement à une certaine composition du marché pour lui ressembler, pas trop le bousculer, etc. Mais c'est pas si simple. Là encore, se niche inlassablement euh, des propositions. Qui problématisent continuellement le marché et le rendent beaucoup moins lisible qu'il n'y paraît. À l'occasion, il y croise un mécène qui lui donne 100 marques par mois et lui vole en échange toute sa production. Ou bien il tombe aux mains d'un marchand qui donne aux collectionneurs bourgeois l'envie de tout acheter. Naturellement, toujours en utilisant les mots à la mode, ce que la conjoncture requiert à ce moment-là. Bon, évidemment, vous vous rendez bien compte que le statut de l'œuvre d'art a beaucoup changé hein, depuis euh, le moment où on parle euh, là en 1919. Et notamment, les artistes qui satisfont à l'autoreprésentation bourgeoise ne sont pas pris dans ce type de circuit interindividuel. Euh, où la galerie vient jouer un rôle, mais je dirais un, un rôle insignifiant en regard euh, des conventions dans lesquelles elle apparaît, euh, des, euh, des grandes foires internationales de l'art, de la commande publique, euh, des grandes collections euh, qui, euh, qui servent essentiellement à, à blanchir du fric sous forme de l'assurance, ou par des prêts au musée ou des choses comme ça. Enfin bref, le, le, la manière dont, dont l'argent s'installe dans le marché ressemble d'assez loin à ce rapport-là, à la collection. Ça n'empêche pas la collection d'exister encore hein, à l'intérieur de ce dispositif. Mais elle n'a plus cette place là décrite par par Gross. Elle, elle lui est pas essentielle en fait cette construction pour, pour exister hein, au marché. Naturellement toujours en utilisant les mots à la mode, ce que la conjoncture requiert à ce moment là. À cet effet on va chercher tous les vieux accessoires du mensonge, de la sainteté et du divin, beaucoup de cosmique et de métaphysique et on souffle la pleine joue dans les trompettes de l'éternité. <coughs> Je ne sais pas dans quelle mesure, artistes et collectionneurs ou qui que ce soit, et euh, comment euh, sont encore dupes des trompettes de l'éternité, mais c'est sûr que la question du spiritualisme à deux balles est extrêmement présente hein, au moment où Gros écrit et je comprends que ça lui casse les noix. Il faut lire hein, Korninski dans le texte pour s'affliger de, de ce genre de conneries. Et ça n'a jamais disparu. Enfin, il y a toute une, une tendance euh, de l'art à jouer de la flûte sur euh, les vieilles rives de l'âme. Quoi, on n'en est pas sorti de, de ces bêtises. Bon, que dire Rien. Oui, un grand nombre d'artistes sont bêtes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, en coulisses, l'effervescence cynique à destination des initiés. Oh, tu n'es pas là, monsieur l'organiste, toutes les flûtes se taisent. Pour l'extérieur, le cinéma des grands prêtres est bienfaiteur de l'art. Est-ce que j'ai compris ce texte Non. En coulisses, l'effervescence cynique à destination des initiés. Où oh, tu n'es pas, monsieur l'organiste, toutes les flûtes se taisent. D'accord. Donc, euh, dans le monde des spécialistes et des initiés, <laughs> se construit toute une critique et une réserve de la critique hautaine. Mais qui alimente finalement euh, euh, cette construction, c'est sur la base aussi euh, de, euh, de cette espèce de, comment on pourrait dire, de tissu sous-jacent que peut aussi s'édifier la valeur. Ça, ça c'est toujours vrai. Enfin, euh, je veux dire, quand, quand un type comme euh, Bernard Arnault se constitue une collection, euh, il y a des types qui vont à sa place traquer euh, les machins et ils sont au diapason d'une euh, certaine parole critique, d'une certaine construction critique hein, à un certain moment. Après la pérennisation, je... ça va et ça vient. Hein. Euh, donc les trompettes de l'éternité, on <laughs> peut dire qu'elles euh, soufflent de façon très intermittente. Donc on, on voit apparaître comme ça dans le champ euh, des valeurs, hein, dont on garantit qu'elles sont un placement. Un placement relatif. Euh, il y, y a des fluctuations qui font quand même que, même si un engouement général, donc critique, hein, produit par des initiés à tel ou tel moment, il euh, n'y a pas de garantie à proprement parler que ces machines-là représentent un investissement stable. Sauf, c'est là où ça devient intéressant, en y, en y intégrant euh, le dispositif muséal, parce que lui doit rendre compte de tous les moments. Donc si vous avez collectionné en gros des grosses merdes de figurations livres dans les années 80 parce que vous avez trouvé ces cochonneries géniales, euh, même si tout ça a perdu 200% de sa valeur, et tant mieux, euh, pour autant... Quand vous prêtez vos cochonneries à un musée, il paye euh, l'addition de, de l'assurance, il vous sert de coffre-fort et il produit de la valeur pour vos croûtes, puisque rendant compte de l'existence à travers l'histoire de ces croûtes, il les fait exister dans le regard public, il leur donne un regain de valeur, une sensation de pérennité et il peut y avoir un retour sur le marché à un certain moment de ces vieilles lubies euh, momentanées qui vont retrouver un nouveau public et pof, votre œuvre a la reprise de la valeur, etc. etc. Bon, c'est un peu clignotant si vous voulez. Alors, euh, peu, peu, peu. euh, peut-on être plus ou moins bête et être un bon artiste bon, Je crois que ça n'a pas beaucoup de rapport. Quand je dis bête, je parle des supercheries thématiques et, et théoriques, d'un de, 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 de spiritualisme, bébé, nunuche, mais c'est des énoncés, quoi. Et on est en train de parler d'art plastique, donc tu comprends bien La question de la bêtise et de l'intelligence, elle est quand même euh, assez. Euh, Difficile à saisir entre deux pinces fermes, hein, parce que il euh, n'y ben, a pas qu'une façon d'être bête ou, ou, ou d'être intelligent. Et euh, disons que là, j'appuyais sur la sottise dénoncée un hein, des énoncés complètement crétins euh, qui s'écoute chanter euh, la chanson de la transcendance. On, on, on aucun intérêt, et, euh, et c'est même embarrassant. Enfin, lire Kandinsky, c'est très embarrassant. Euh, ça ne veut pas dire que la peinture de Kandinsky soit bête. En fait, C'est peinture remarquablement intelligente. Euh, elle a l'air anecdotique comme ça, mais quand on s'y plonge vraiment dans la richesse de l'œuvre, elle est plus intéressante qu'il n'y paraît. Alors, il y a des tas qui sont bon, très hasardeuses et pas très, pas très fines. Le rapport à l'abstraction est notamment particulièrement couillon euh, chez Kandinsky, mais euh, il y a une véritable intelligence d'un nombre de questions picturales, chromatiques, organisationnelles de la peinture. Il y a tout un plan, une série de plans. D'approches picturales qui sont assez remarquables chez lui, notamment dans la pensée de la peinture in situ, dans ces espèces de grands espaces où le, le corps du, du spectateur ou de la spectatrices n'est plus un corps de vis-à-vis, -vis, un corps frontal, mais un corps déplaçant pris dans un univers de peinture. Ce n'est pas le premier, hein. il, y a, il y a toute une histoire de la fresque. Mais en fait, l'histoire de la fresque, c'est une histoire de pagination, pratiquement, de station. Comme on, comme on, on suit les stations du Christ dans la nef d'une église, euh, on est finalement dans une espèce de composition. Régulièrement de vis-à-vis. -vis. Ça, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Enfin, le, les la puissance de, de grands corps picturaux dans lesquels vous êtes pris, euh, bah, ça peut être les sacro de Ferrari, ça peut être la, par exemple, la, la, la chapelle de la Dormition de la Vierge de Taddeo di Bartolo, euh, à, comment, euh, à, au Palazzo Pubblico. Enfin, il y, y a la chapelle Scrovegni. Euh. Donc, ça existe, ça existe mais comme problème pictural à proprement parler, cest d'une prise qu'on vous avait décidé d'une façon vraiment affirmative, quoi, que la peinture comme peinture est votre problème. Bon, cette situation de peinture, c'est une question nouvelle, assez moderne, assez géniale. Et euh, bon, ça existe chez lui. voilà. Donc voilà un endroit, par exemple, où, où Koniski est brillant. Donc, euh, il peut avoir des idées très connes, euh, euh, donc très superstitieuses sur plein de points dans des rapports aux énoncés, mais il a une intelligence picturale impressionnante. Et c'est pas rare, en fait. Euh, le contraire est également vrai. Vous avez des gens qui sont très brillants euh, quand ils lisent des récits, qui vous en parlent très bien, qui sont capables d'avoir de, de, une, une intelligence de lecteur ou de lectrice inouïe. Donc ils vont être capables de vous lire, euh, avec de vous retrousser complètement Stevenson ou Joyce en vous en révélant des endroits in, inattendus, inouïs que vous n'aviez pas su voir. Et pour eux-mêmes, écrire comme des cons, avoir une vision bête du roman dès l'instant où ils s'y mettent, euh, instrumentaliser leur roman euh, comme des gorets. ne euh, pas être foutu. Euh, de construire une structure qui a un peu de finesse. Euh, voilà, donc leur intelligence, euh, ça peut être une intelligence de lecteur ou de lectrice et puis une certaine bêtise, euh, bêtise d'écrivain ou d'écrivaine. C'est possible, voilà. Après, j'imagine qu'on peut être euh, intelligent en tout. En tout <laughs> Je ne sais pas, ça devait exister. <laughs> voilà. Alors, un crétin peut-il être un bon artiste, un ragdoub bah, je, je pense, oui. Et là encore, il bah, faut voir hein, de quoi on parle, de quelle forme de crétinisme. Oui, oui, bon, c est, c est, ça, la question mérite d'être posée, c'est vrai. <laughs> euh, donc, le fameux culte des stars, c'est ce qui existe, le système et les affaires fleurissent. Bah, C'est-à-dire que si on veut assigner de la valeur... Faut produire artificiellement aussi autour d'elle une certaine rareté. Donc euh, précisément, euh, il y a plein de mouvements d'avant-garde, je pense à Fluxus etc. Qui, qui mettent en péril tout ça. Mais ça ne veut pas dire que la collectionnabilité historique disparaisse. On, on est rattrapé tout le temps par ça. Hein. Euh, mais on, les artistes n'ont pas cessé de déjouer ça par dégoût, toutes ces conneries. BMPT, donc le groupe de Buren Mosset par moitié -E et déjoué aussi ça. Les rapports d'inscription fétiche, finalement, du signe pictural, donc en gros le style, qui est une espèce de promesse de valeur, une garantie de la valeur, d'identité reconnaissable, etc., etc. Les artistes vont pas essayer de mettre ça en danger, et ils parviennent plus ou moins bien. En tout cas, pour un, un temps plus ou moins long. Et oui. Après, ils meurent et ils deviennent eux-mêmes des monuments. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les artistes eux-mêmes, bouffis d'orgueil ou torturés, tirant leur position privilégiée de leur incapacité à venir à bout du monde, de la vie, sont pour la plupart abrutis et la remorque de la grande supercherie réactionnaire orchestrée par l'ensemble de la critique d'art. De manière totalement subjective et incontrôlable, cette dernière laisse à croire. Que se trouverait dissimulée dans les images des choses dont on ne peut que faire croire qu'elles s'y trouvent effectivement dissimulées. C'est pas un problème de dissimulation. Ça dépend de quoi on parle, mais le problème, c'est que là, Grosse n'arrête pas d'arabattre, j'ai l'impression, les questions picturales ou sculpturales, si on voit les sculptures, sur des rapports de discours. Alors pour lui-même, hein, quand il parle d'organisation de la peinture au profit finalement d'un esprit d'une transparence révolutionnaire hein, par laquelle on rendrait compte d'un état de la société ce, que, ce à quoi l'art n'est pas avoué, enfin c'est pas du journalisme bordel de merde il y a un appauvrissement considérable de la question hein, si on le pense comme ça donc il euh, y a euh, cette, euh, dit, cette dimension là par laquelle il rabat son propre travail sur des questions discursives hein, et euh, également dans l'autre sens quand il parle de cette dissimulation, ce qu'il veut dire, c'est que on ferait grand mystère de quelque chose qui se trouverait dit dans la peinture, donc une espèce d'ésotérisme, mais il n'y a que la peinture symboliste qui fait ça. En fait, les peintures à proposition, les allégories picturales sont plutôt rares. C'est rarement comme ça que la peinture fonctionne. Et généralement, quand elle a un sujet... Quand au début du XXe siècle, elle continue à en avoir un, il est relativement anecdotique en regard de ce que la peinture propose comme peinture. C'est-à-dire comme mise à mal des habitudes sensibles ou des euh, regards organisés sur la valeur. C'est ailleurs que se placerait son secret en quelque sorte. On n'y dissimule pas, ce n'est pas de l'ésotérisme à tout bout de champ. Ce que décrit euh, là, comment... Euh ce que décrit Grose, c'est une espèce de procès euh, qu'on fait encore beaucoup aux œuvres d'art contemporaine. Bon, là, je vous renvoie à mon live sur euh, Franck Lepage. Euh, procès au nom duquel les œuvres euh, contemporaines auraient nécessairement besoin d'un texte pour être compris. Ce serait l'évidence qu'on se fout de notre gueule, ta, 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 ta. Enfin, ces vieillissantes siennes euh, qui n'ont pas énormément euh, d'intérêt. Euh, et euh, c'est con. Ben, c'est con parce que c'est une incompréhension totale de, de, de l'histoire des œuvres en général. C'est-à-dire de la relation continue des œuvres avec, oui, le, le, le monde des énoncés qui les entoure, mais dont elles ne sont pas là pour être subordonnées à ces énoncés. Mais oui, continuellement, elles sont prises dedans. Elles sont prises dedans, mais par là où elles font œuvre, c'est précisément à l'endroit où elles n'y sont pas subordonnées. Il par là, en gros, où euh, une annonciation ou euh, une Vierge en majesté de et de Martini euh, est autre chose qu'une euh, annonciation ou une euh, Vierge en majesté de Lorenzo Monaco, bah, ce n'est pas par le sujet, ils ont le même sujet. C'est autre chose. Et c'est cette autre chose qui produit euh, la question euh, artistique, évidemment. Donc... Là, euh, ce rapport à la question du secret euh, tel qu'il en parle, me, me semble euh, comment euh, problématique, parce que, gros, ça abandonne quelque chose de précieux dans la peinture. Voilà, voilà, voilà. Donc, ils se trouvent, ils se voient eux-mêmes en créateur. Surplombons une tour plus ou moins, le béotien moyen qui rirait par exemple du contenu profond d'un des tableaux de Picasso ou de Rhin. Mais la question du contenu profond, justement, le fameux contenu de vérité bizarre dont parle Adorno, ce n'est pas un contenu euh, énonciatif. Donc, du coup, oui, il y a un contenu profond, même, euh, je dirais que le contenu profond du carré blanc sur fond blanc de Malevich, c'est précisément un contenu qui outrepasse très largement. Le pari programmatique du manifeste et de la pensée suprématiste dont on se fout aujourd'hui. Le contenu pictural profond, c'est tout à fait autre chose. L'art, c'est pas du journalisme, bordel de merde. Tu parles d'une citation au sud. Mais leur création, alors là il met des guillemets, donc il y a un certain mépris quand même. Leur création, c'est comme dans le Figaro quand tu parle... Ils kiffent. <laughs> Guillemets. <laughs> Pardon. Euh, leur création exprime parfaitement la structure du fameux esprit culturel. Elles sont vides de tous pensés, hostiles aux faits et étrangères au combat. Allez dans les expositions et regardez les contenus qui rayonnent des murs. Cette époque est si idyllique, si mélodieuse, si bien faite pour le culte gothique des saints, pour une beauté sortie d'un village nègre, pour des cercles rouges, des carrés bleus ou des inspirations cosmiques. La réalité, hélas, est laide et son vacarme perturbe le délicat organisme de nos âmes harmonieuses. Et si c'était plus profond que ça, que ça n'en a l'air, hein, pas profond justement au sens mystique, mais on ne peut pas ôter de ces propositions dont il parle, donc en gros là, il parle des propositions de la tendance de l'abstraction de l'immédiate après-guerre. Qui va aller bah, dans plein de directions que vous pouvez connaître et qui dure encore aujourd'hui, même si le terme abstraction paraît pas très très judicieusement choisi, qu'on s'en est encombré un peu vite, mais bon, laissons tomber. Disons non figuratif pour être plus rapide, probablement un peu plus juste. Euh, cette tendance générale, elle nous dit quelque chose aussi des rapports justement à la marchandise. À l'exécution de la marchandise. Il, il, quand, quand Adorno dit que c'est un art mimétique de l'état d'abstraction des relations sociales à la marchandise, il dit qu'au fond, on ne quitte jamais la mimésie, c'est la représentation. Juste, on déplace la représentation. On change d'axe, on la met ailleurs. C'est ce qui se passe à cet endroit-là. Et celle-ci a quelque chose aussi à dire sur la guerre qui vient d'avoir eu lieu. Je veux dire, ce n'est pas aberrant à un moment de vie où toute une société a été prise au nom d'idéaux prétendument pragmatiques, organisationnels, territoriaux, stratégico-politiques, à entraîner dans le néant des millions de corps, à traîner des vies humaines précieuses dans la boue, c'est peut-être pas mal dans l'immédiate après-guerre de dire que ce qui se trame de plus précieux à la surface du monde des humains, c'est un pari spirituel par exemple. Ça ne veut pas dire un pari non mystique, mais juste changer de paradigme, changer d'organisation des échanges entre les vies, les idées et les formes. Pourquoi pas Je ne dis pas que je souscris à ça, je dis que il faut ouvrir la possibilité de comprendre autrement euh, la question de l'apparition dans l'immédiate après-guerre de toute une série de propositions abstractives. Ça n'est pas sans sens et ce pas forcément une abdication devant les questions politiques c'est une autre question politique posée autrement est posée aussi à la représentation. Excusez-moi du peu, mais la représentation au service d'idées, elle va battre son plein. Mais ça, il le sait pas encore, euh, euh, Georges Grosse. Mais quand même, il a vu des affiches de propagande dans sa vie. Hein. Donc la représentation au service d'idées, qui soit complètement subordonnée aux idées, bah, c'est la spécialité des états totalitaires, par exemple. Ça me semble être une assez bonne raison pour se poser de lourdes questions sur ce que veut dire faire une image complètement au service d'idéaux. C'est chelou, et ça mérite d'être questionné. Et ça peut être questionné par, par exemple, le refus absolu de ce type de représentation. Pourquoi Georges Gros se demande pas, à ce moment-là, lui qui a un esprit révolutionnaire, pourquoi Malevich et Mayakovsky sont les meilleurs représentants, à un certain moment, de la pensée révolutionnaire russe, avec leurs abstractions? Ça devrait questionner un peu Gros quand même. On est d'accord. Ou regardez ceux que l'époque fait souffrir. Voyez comme tout se crispe en eux et comme leur puissante vision les oppresse. C'est ce marasme qu'il nous faut. Ce bon gothique encore et toujours. Et le vieux Gréco, sans oublier l'Égypte. Regardez le grand Grunewald ou Cézanne qui était si fière de ses décorations. Ou Rousseau, ce cher vieux stupide douanier. Enivrez-vous de cette sainte candeur. Tout aujourd'hui est si triste, si froid, si vide. J'ai du mal à, à comprendre ce qu'il appelle le, le toujours le gothique parce que ça, il rassemble beaucoup de choses là euh, le Greco, Grunwald, Cézanne, peut-être les formes d'une sorte d'expressivité mystique. J'ai pensé faire une petite pause image très courte mais pour vous montrer un petit peu tous les gens euh, dont il parle à la suite. Est-ce que j'ai mis ça quelque part Oui, j'ai mis ça. Le Greco, Grunewald, etc. Voilà. Alors Grunewald, vous connaissez, je pense, hein vous avez déjà vu ça, même peut-être que vous ne connaissez pas son nom, mais dès que instant, vous allez voir ça, vous saurez très très bien euh, ce que c'est, parce que vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc Grunewald, c'est un des grands peintres de, articulaires euh, de la période 15e-16e en Allemagne, donc même période que Aldorfer, euh, Baldungrin, Dürer, enfin tout ce, ce moment assez génial de la, la peinture allemande, très... Très rugueux chez Gruval, qui est quand même de loin celui qui va très fort dans cette espèce de dramaturgie des corps, de, de ce Christ aux lèvres violacées par la mort, bardé d'épines. Voilà. Donc ça vous connaissez. Donc on va ça c'est un extrait du retable d'Isenheim qui se trouve euh, au musée de Colmar, musée Unterlinden. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce musée qui n'a pas que le retable de Goudal. Donc ça c'est un autre volet du retable, hein, c'est la tentation de Saint Antoine. Donc c'est un retable très très grand avec. Euh, Énormément de, de volets, je ne sais plus combien il y a de volets, il se déplie dans tous les sens, il est tout à fait extravagant. Euh, voilà le, la partie complète de ce, ce moment de la tentation. Voilà. Donc, je suppose que vous avez déjà vu ces choses incroyables. Donc ce tableau-là, enfin, cet immense retable, lui, il est du début du 16e, je ne sais plus combien, 1500 15 ou 20, enfin. Alors, ça vous paraît peut-être loin pour certains, si vous habitez comme moi la Bretagne, d'aller à Colmar voir ça. Mais non, en fait, c'est pas loin. Il faut les faire les 1000 km Il faut aller voir ça. Vraiment, en faites ça. Le... Parce que le, le musée est dingue. Il est très 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 beau. Alors, vous avez des bois sculptés d'Offman. vous avez euh, énormément de gravures de Schongauer. Enfin, il y a, a, a Eisenman, des très très beaux tableaux. Bref, allez voir ça. Et vous verrez évidemment cette incroyable retable. Alors, je connais pas de gravure de Grunewald, Solarius. Je connais que sa peinture. Voilà, donc là, on a changé, c'était Grunewald. Donc là, l'autre personne dont nous parle euh, Grosse, dit-il, c'est ce stupide douanier. Alors, stupide, je sais pas. C'est un drôle de type. Non, à qui parler de crétin Je sais pas où il est chrétien, euh, douanier, Rousseau. C'est trop rapide de dire ça. Il est dans un en dehors dedans, un jeu de hasard l'a mis dedans, à côtoyer des peintres qui appartiennent au sérail de la construction individuelle de la peinture. Il y est et il l'apprécie, enfin ces gens l'apprécient parce qu'il est fascinant, il est à part, il a aucune culture picturale bien établie, il n'est pas sans culture, hein, mais euh, c'est n'importe quoi, enfin, c'est bricolé à la va comme te Il a un rapport à la peinture qui est un rapport euh, assez bizarre parce que à la fois, il n'a pas la moindre idée de ce que c'est, et à la fois, il s'en sort quand une très très bien pour quelqu'un qui n'a pas d'idée de ce que c'est. Là, il s'en sort vachement mieux, comme Azrael tout à l'heure. C'est un... un colorisme d'illustrateur, sans doute, donc pas vraiment adapté à la question de la peinture, mais qui va assez loin dans la capacité à jouer avec elle. Euh, un rapport à la représentation qui est assez démentiel. Est que chez Rousseau, euh, le détail existe comme vie. Et donc, il existe comme image. En gros, puisqu'il sait hein, que euh, tel ou tel ensemble possède des parties, alors il rend visible toutes ces parties qui ne devraient pas l'être, évidemment. Euh, C'est le, 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 le contraire de la méthode impressionniste. Il n'a évidemment jamais rien vu de tout ce qu'il peint. Et il n'a jamais quitté la France et puis il fait que des représentations de, de grands tableaux exotiques. C'est un drôle de truc. Je sais régulièrement pas comment penser. À la fois, ça me fascine et à la fois. Euh, je sais pas, c'est vraiment étrange. Voilà, le douanier Rousseau. Il y a évidemment une grande étrangeté qui s'en tire, donc là c'est Cézanne en personne, puisqu'il parle de Cézanne, évidemment. Je ne peux pas m'empêcher de vous en montrer. Ce serait très... Alors là, Cézanne mériterait un live entier, puisque c'est vraiment un grand champ complexe à, à aborder. Et il a parlé du Gréco et je vous ai montré un des derniers parce que je trouvais marrant ce tableau. Il est démesuré, enfin c'est un grand tableau, c'est un des derniers. C'est une vision de Saint-Jean, mais je veux dire, il est démesuré par l'ampleur du geste pictural qui s'y trame. Ce qu'il y a dans ce Gréco qui est tout à fait ahurissant et qui domine toute la, la peinture de la fin, c'est la façon dont l'organisation de la séparation de plans de la peinture et intégralement euh, tributaire des figures qui sont porteuses du morcellement pictural, c'est-à-dire dans une forme d'autonomie mais complètement peinte, hein, pas, pas une autonomie de figure, c'est-à-dire ce qu'il représente a finalement assez peu d'importance, que ce soit les âmes tourmentées qu'il voit ou Saint Jean lui-même à gauche, ont une importance, je dirais, d'organisation bizarre, étrange de la toile, comme s'ils emportaient chacun un morceau avec eux comme une sorte de de comment dire, comment on pourrait dire ça. Il y a une déconstruction radicale finalement de l'espace pictural, ce qui fait que dans les endroits où la peinture est nue de toute organisation corporelle, elle devient ce ciel où tout se disloque, où il n'y a pas de raison picturale qui assemble les nuages, on est dans de l'ultimement séparé. Bon, il y aurait beaucoup à dire hein, sur euh, la différenciation euh, de, de l'approche du pinceau selon qu'elle est prise dans ses configurations euh, corporelles ou dans ce que ses corps séparent et font exister. Donc là, vous voyez bien hein, les, les corps ici, les trois qui sont là, font exister cette masse verte, lui imprime une sorte de nécessité spatiale qui n'a pas d'autre raison d'être. Et c'est euh, une approche de la peinture radicale, euh, extrêmement nouvelle. Il n'y a rien qui ressemble à ça à cette époque, même si lui, il doit des trucs à des gens. Enfin, clairement, on peut trouver chez le Gréco des trucs qu'il a été chopé chez les, chez les Vénitiens. Il y a forcément chez lui quelque chose qu'on va retrouver, comme du Tintoret ou ce genre de trucs. Alors, c'est assez fascinant. Donc. Ce peintre du 16e, quand même, mettez-vous ça en tête, on est au 16e siècle. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça veut dire. Quoi. Parce que là, je vois par exemple que professeur bana nous parle de Turner, mais Turner, c'est deux siècles après, largement, presque deux siècles et demi. Donc c'est un truc inouï, ce qui arrive là. Bon, le teintoret aussi est inouï. Hein. Donc bref, je ne sais pas ce que. Comment. Ah, bon, ça, ah on est retourné chez Mazerelle au secours, on oublie. Euh, donc. Ça, c'était pour vous montrer les quelques figures picturales auxquelles euh, notre ami gros fait appel sans que je comprenne bien pourquoi il les associe. Donc, euh, je sais pas, peut-être cette espèce de, de tremblement euh, mystique, euh, je ne sais pas, expressif, je ne sais pas. Et la révolution actuelle, si prosaïque, si terne, si morne. Il dit, c'est ce marasme qu'il nous faut ce bon gothique encore et toujours et le vieux Gréco, sans oublier l'Egypte, regardez le grand Grunewald, ou Cézanne qui était si fière de ses décorations, ou Rousseau, ce cher vieux stupide douanier, enivrez-vous de cette sainte candeur, hein. tout aujourd'hui est si triste, si froid, si vide. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de candeur pour Cézanne, vraiment pas. Euh, S'il y a bien quelqu'un qui pense et qui exprime ce qu'il pense euh, à ce sujet euh, de la peinture, c'est quand même pas rien, et quant à Gréco, c'est tout sauf un candide. Hein. Tous sauf un naïf. Donc euh, Grunewald, je ne sais pas ce qu'il pense, mais euh, comme tous les artistes allemands de cette période, c'est il y a un travail théologique puissant qui travaille dessous. Donc il y a des positions, il y a des lectures, il y a une, une image euh, du monde religieux euh, qui est en marche, et qui est en, en plein changement. Il y, a, ben, il y a une intelligence pour le coup euh, plus textuelle qui travaille chez Grunewald. Donc bon. c'est pas très candide tout ça. Hein. C'est pas parce que c'est aujourd'hui décrit comme expressif et tétanisant, oui, ça l'est, indéniablement, le, le Christ de Grunewald est tétanisant, que c'est de l'expressivité, que c'est un tableau expressionniste avant l'heure. C'est complètement con hein, de penser des trucs pareils. Alors, et la révolution actuelle, si prosaïque, si terne, si morne Il ne s'agit que de lutter pour les salaires, n'est-ce pas Pas une onge de sacré. Il bon, faudra savoir ce qu'il veut. Et il réclame du sacré. Bon, D'accord, il veut le donner au corps social, mais là, on, on arrive à un truc bizarre. C'est qu'il veut pas de mystique contemporain, il veut, il veut de la vieille mystique à papa. Euh, je ne sais pas ce qui lui fait croire que c'était, de ce point de vue-là, plus respectable. J'en sais rien. Euh, je veux dire, je n'ai pas lu le greco, et ça trouve c'est un bigot épouvantable à la spiritualité tartignole. Hein, comment le saurais-je euh, Il dit, les hommes, de fait, ont totalement oublié qu'ils avaient été créés par Dieu. Eh bien, c'est pas plus mal s'ils si oublient une chose pareille, vous ne croyez pas <laughs> C'est une erreur de croire que quelqu'un qui peint une toupie des cubes ou un chaos plein de spiritualité est, contrairement à ma carte, peut-être révolutionnaire. Bah, moi, je crois que si. Regardez ma carte, c'est un peintre de la bourgeoisie. Il en peint les aspirations, les thèmes, l'histoire. Et vous Alors, ma carte. À mon avis, vous n'avez jamais entendu parler de ce zozo, donc je vous ai ramené des images quand même, parce que ce serait dommage que vous ne voyez pas de quoi il retourne. Alors voilà, voilà ma carte c'est ça. Je peux vous en parler un petit peu si vous voulez, je n'ai pas grand chose à en dire, parce que je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne connais pas ça euh, du tout euh, très bien, j'ai quand même plutôt mal. C'est un peintre euh, comment, euh, de la fin du 19e, qui est mort au début du 20e. À l'époque où euh, comment, Gros écrit. Euh, je ne sais même pas s'il est encore vivant, euh, peut-être qu'il est déjà mort. C'est vraiment l'incarnation à cette époque du euh, comment de, 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 de la conservation à Vienne, hein, du, du conservatisme, du bon goût bourgeois. Euh je ne sais, sais pas quel est l'intérêt de cette peinture. Ce n'est pas, pas nul. Hein, on va pas dire ça. ça si, ce qu'on regarde là, c'est nul. Mais c'est pas toujours nul. Euh, euh, L'espèce d'orientalisme avec un petit siècle de retard euh, sur. Euh, une espèce de version extrêmement soudouée euh, et un peu paumée, un peu larguée de notre pauvre Delacroix, euh, bon, qui s'est un peu épuisé dans un orientalisme de pacotille. Euh, je pense que la fatigue qu'il a inspirée, oh, d'une certaine manière, hein, la fatigue que ses grandes coquetteries décoratives et, et sa vision un peu boursouflée grandiloquente de l'histoire, euh, bah, tout ça n'est pas pour rien finalement, donc remercions-le, hein. pour la naissance du mouvement sécessionniste viennois, pour, pour la sécession. Vous voyez, ce mouvement dont je vous ai déjà parlé, qui est né à, à Vienne, euh, comment, qui a été lancé par Böcklin. Euh, par Hoffman, et puis bon, plus tard, lui, vous le connaissez sûrement, euh, rejoint par Klimt, hein, qui va quasiment incarner tout ça. Bon, d'un certain côté, on ne peut pas ne pas voir, et notamment quand on voit les premiers Klimt et le caractère lui-même hein, laborieux euh, d'un décoratisme assez, euh, assez lourd, même s'il va le retrousser, hein, même s'il va en faire autre chose, même si. Si tout ça va devenir le creuset de, de ce Jugendstil dans la revue Jugend, hein, la jeunesse, d'un renouveau complet artistique viennois, il y a plus une filiation qu'une rupture, mais en tout cas, ouais, quand même assez relou. Hein. Donc ça, c'est ma carte. Ma carte qui s'est fait supplanter par Googleheim. Ah, je l'ai pas du tout, euh, Solarius. Ma carte qui s'est fait supplanter par Googleheim. Qu'est-ce que j'ai pas pigé Donc c'est ça, ma carte. Donc c'est quand même hein, beaucoup de brillants, de clinquants, d'armure. Et voilà encore lui. Moi bon, ça n'a rien à voir. Ok. Euh, bon. Voilà, vous avez vu un peu. Euh, qui c'était, c'est Hans Macart et vous, vous me faites une petite... C'est marrant, hein, grâce à ces lives, on n'arrête pas de découvrir euh, la, la, la vieille peinture euh, allemande du 19e, bourgeoise. Hein, on va en voir un par live, comme ça. Alors, donc c'est un peintre de la bourgeoisie. Il en peint les aspirations, les thèmes, l'histoire. Et vous, donc là, il s'adresse hein, au nouveau classique, n'en êtes-vous pas tous comme lui, les misérables satellites Vos idées prétentieuses, vos pensées originales, où les trouvez-vous Travaillez-vous par exemple pour le prolétariat sur qui reposera la culture future ouais, Mais là, tu te leurres, grosse. Euh, ça, c'est triste à dire, hein, mais euh, les, les poètes qui publient dans le TXT euh, des, poètes, euh, des poèmes pardon, qui sont des odes à Mao, qui sont euh, assez navrantes. Il hein. euh, y, y a une ode à la pensée Mao Tse-Tung dans un numéro de TXT, mais qui fait pitié. Dans tel quel, ça n'arrête pas les, les conneries de ce genre. Euh, qui peut croire clairement quoi que euh, c'est au prolétaire que cette poésie d'avant-garde française s'adresse et s'est adressée. Ça n'a aucun putain de sens. Et je ne crois pas non plus, du coup, que la peinture de Georges Grosse est le moins du monde parlé au prolétaire de 1919. Donc là... Euh, Macart, c'est le type aux USA qui faisait la chasse aux communistes, le fameux Macartisme. <laughs> Grâce à ces lives, on n'arrête pas de découvrir des peintures, des peintures moches. Pas que quand même, parce que je vous montre beaucoup, beaucoup de belles choses quand même. Hein Franchement, j'ai toujours pas compris le. le... Alors, t'as voulu allier Guggenheim et Google. Ah ouais, Google Maps, la carte. Oh, putain, Solarius, tu déconnes. Non, c'est beaucoup trop tiré par les cheveux. Tu es parti complètement en couille. Je ne peux pas te suivre dans ce calembour pourri. Non, mais non, tu ne peux pas aller jusque-là. Je veux bien admettre qu'il soit tard. Il est tard, que le live dure depuis plus de trois heures, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il y, y a des limites à ce qu'il faisait en termes de calembour, quand même. Bon. Donc, je pense que là, il se leurre. C'est la question du souci. implique un rapport qui est un rapport comment, surplombant. Je suis désolé de le dire grosse, mais la manière dont tu te poses ne peut pas se poser depuis la question du prolétariat où elle devrait s'installer. Et ça non plus, ça ne fonctionne pas. Parce que tu devrais succomber à ce moment-là. Aux œuvres du consensus, censées être reflet d'une collectivité tout imaginaire, parce qu'en fait, le goût du prolétariat, ça n'existe pas. Les exigences générales en matière d'image du prolétariat, ça n'existe pas, pour la bonne raison que le prolétariat, c'est juste un ensemble constitué de corps pris dans un système de domination et euh, dans euh, un armement de euh, comment de la force euh, de travail par les dépositaires de euh, Comment, euh, des ressources et euh, des moyens de production. C'est ça. Et ça, ça ne constitue pas une unité de goût, de désir et de représentation. Donc tu vas dans le mur, grosse. Parce que soit tu vas te retrouver dans la situation complètement aberrante d'un Maoise Pontex qui va au milieu de la foule et qui prétend euh, se faire le miroir d'un prolétariat auquel... Il ne peut pas correspondre puisqu'il n'existe pas vraiment. Enfin, c'est complètement du fantasme. quoi. Soit tu prends ta position euh, d'intellectuel communiste euh, ou anarchiste, euh, que tu, que tu devrais être, parce que c'est bon de penser des trucs de l'organisation du monde, du devenir, d'essayer d'en tirer des conclusions et de produire du, du, de la connaissance avec tout ça, ou, ou, euh, ou d'armer euh, la révolution, que sais-je. Mais avec ça, tu, dans cette position-là, tu ne peux pas produire autre chose qu'un art condescendant, par exemple. Si vraiment tu le fais depuis cet endroit, genre, bon, je voudrais faire des trucs pour le prolétariat, euh, assis, de, euh, je vais juste regarder autrement mon passé, regarder autrement mes formes, tout ça, ça va être encore du fantasme, ça va partir toujours dans le n'importe quoi. D'où que tu, d'où que tu te places, cette question d'une adéquation d'une un, production artistique à un désir et à une nécessité collective, elle est perdue d'avance, elle n'a pas de sens, elle n'a jamais rien donné de bon. Alors faites-vous en sorte d'expérimenter son monde spirituel et de le comprendre, donc le monde du prolétariat, de vous opposer aux exploiteurs et aux oppresseurs. En tout état de cause, vous devriez pouvoir le faire. Mais oui, mais dans ce cas-là, allez faire la grève avec les prolos, euh, aidez-les sur les piquets de grève, balancer des cailloux sur euh, la police, et le soir, rentrez faire des tableaux. Ne croyez pas que euh, tout ça va se résoudre autrement. De temps en temps, euh, oui, pourquoi pas, euh, comme ça m'est arrivé d'illustrer des revues euh, syndicales ou des choses de ce genre, mais je me fais pas beaucoup d'illusions sur la portée de tout ça. Enfin, euh, ça n'a pas tellement de sens, tu de, de la demande est dingue. Demandez-vous s'il n'est pas temps en définitive d'en finir avec vos décorations de nacre. Vous prétendez être intemporel et au-dessus des parties, vous, les gardiens de cette tour d'ivoire. Qui en êtes-vous Vous, vous prét... Qui est en vous, pardon La Tour d'Ivoire est en vous. Vous prétendez créer pour les êtres humains, où est l'être humain mais enfin, excuse-moi, Georges Grosse, mais euh, euh, les bourgeois sont aussi des êtres humains. Des sacrées têtes de cons, soit, mais c'est quand même des êtres humains. Des sacrées têtes de cons d'humains. Voilà. Que sont votre indifférence créatrice et votre verbiage abstrait autour de l'intemporalité, sinon une spéculation ridicule et vaine sur l'éternité. Non Georges Gross. On ne peut pas faire une saillie euh, de anti-intello en écrivant un texte comme celui-là, un texte d'intello, avec un pote intello, qui publie des intello. C'est complètement con. Ah, franchement, quoi. Pousser l'intellectualisme là, à cet endroit-là du texte, c'est con. Hein voilà. Je suis désolé, Georges. Tu fais n'importe quoi. Vos pinceaux et vos plumes qui devraient être des armes sont des fétus de paille vide. Ça, ça, par exemple, tu vois, c'est une phrase creuse. C'est un slogan, Georges. C'est bête. Ça ne sert à rien. Alors, tu peux prendre un, un porte-voix, aller le brailler si tu veux dans une manif. Vos pinceaux et vos plumes qui devraient être des armes sont des fétus de paille vide. Non, c'est beaucoup trop long, en fait. <laughs> voilà. Vos pinceaux sont des armes. Ouais. Bon, s'en branle, ça se suffit. Sortez de chez vous, même s'il vous en coûte, cessez de vous enfermer dans votre individualité. Laissez entrer en vous les idées des hommes qui travaillent et aidez-les dans leur combat contre cette société pourrie. L'homme n'est pas bon, c'est une bête. Oh bah, oh, D'accord. Mais pas le prolétariat. Donc c'est pas des humains. Je comprends rien de ce que tu dis, Georges. Là, es parti, là, on t'a perdu. Les êtres humains ont créé un système abject, un haut et un bas. Mais. Et... Les êtres humains, là, c'est te suis plus. De quoi tu parles Je crois qu'on était. Moi, jusqu'à la lutte des classes, je comprenais. Hein. Ça me va très bien. Mais alors là, l'homme qui est bon, les êtres humains qui créent un système abject, moi, il m'a complètement paumé. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu as foutu comme coute Les bourgeois sont aussi des êtres humains. Mais non, Suze Ah oui, c'est pas gentil, ça. Qui... C'est ça qu'on va retenir de moi. Tu te rends compte de ce que tu inscris pour euh, la, très cou... la très courte éternité qui nous sépare de la fin ah là 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 là, en Amérique du Sud, on faisait marcher les locomotives avec du grain, quand au même moment, dans la Russie d'autrefois, beaucoup mouraient de faim. Là, on parle de culture, et on discute art, mais la table dressée, la belle limousine, la scène et le salon peint, la bibliothèque et la galerie de tableaux que l'opulent grossiste en boulon s'offre sur le dos de ses esclaves, est-ce que cela ne fait pas partie de la culture Quel rapport tout cela a-t-il avec l'art le fait précisément que nombre de peintres et écrivains, en un mot, la presque totalité de ce qu'on appelle les intellectuels, continuent de tolérer ce système sans prendre clairement parti contre lui. Ils persistent à rester cyniquement en dehors de tout ça quand il s'agit aujourd'hui d'y mettre de l'ordre, de dépasser ces pitoyables spécificités, cette supercherie culturelle et toute cette damnée insensibilité. Alors, la culture et les faits de culture. Ils ne sont pas hors société, ils y sont comme le reste. D'accord. Donc personne n'est en dehors de ce fameux tout ça très flou. Euh, par ailleurs, il y a mille façons d'apparaître en société. Et effectivement, on peut casser des gueules sur les piquets de grève, mais euh, ouvrir une galerie et y présenter des trucs chelous de façon, je ne sais pas, clandestine, spontanée, faire des actions artistiques à tel ou tel endroit. Il y a mille façons de ne pas renoncer à, euh, à cette espèce de jaillissement euh, particulier que provoque la rencontre avec les productions artistiques, je ne vois pas pourquoi celles-ci se placerait dans un en-dehors sous prétexte qu'elles ne sont pas au diapason d'une certaine forme dénoncée. Parce que, je le répète, il euh, n'y a pas qu'une façon hein, d'accompagner la révolution prolétarienne, ben, c'est absurde de croire ça, quoi. Selon une croyance communément partagée, seule l'initiative privée apporterait le salut. Mais personne ne dit ça. Et ils sortent quand même de quatre ans de guerre où, euh, selon une croyance communément partagée, seule l'initiative collective euh, apportait le salut. Hein. Donc euh, je ne vois pas où il euh, y a une communément <coughs> croyance partagée que l'initiative privée apporte le salut. Il <coughs> ne faut pas confondre en plus subjectivité et initiative privée. Cela, enfin, c'est un vocabulaire euh, d'homme d'affaires, posé sur quelque chose d'autre. Contribuer à ébranler cette croyance et montrer aux opprimés les vrais visages de leur maître, tel est le sens de mon travail. L'artiste révolutionnaire a le devoir... Et là on voit une illustration, je ne peux pas vous le montrer trop parce que je ne crois pas que ma, ma caméra puisse faire le, le point. En fait Grosse trouve sa solution en dessinant des prolétaires, un violoniste, euh, un organiste... Et, euh, et une euh, camarade pour le ouais, une camarade syndicaliste sans doute. Bon. Ougros a vu que le spectacle des hommes et femmes en guenilles n'était pas réjouissant pour les bourgeois. Il me semble qu'au début du XXe siècle à la fin du XIXe, les femmes bourgeoises adoraient habiller leurs enfants en petits chenapons, avec des guenilles, euh, pendant quelque temps, pendant une soirée. On appelait ça des gavroches, si on leur mettait des des petits mouchoirs autour du cou, enfin, bon, des conneries de ce genre. Non, des gavroches, je ne sais plus s'ils avaient choisi le modèle de l'enfant. De. Euh... de... Bah, je ne sais plus quel terme ils employaient. Parce que j'ai deux figures qui s'imposent à moi mentalement et je les superpose. Oh, peu importe. Mais bon, je vois, ça. De la même manière qu'au 18e. On s'en canaille à la cour en s'habillant en bergère, donc c'est-à-dire en moins que rien. Hein. Euh, sacré bergère, hein, avec des falbalas, des machins, des moutons avec des neuroses enfin bon bref. Euh, pff, genre, comme solution, la solution de Georges Gross me paraît pas ouf ouf, ouf quand même, hein. Ah, vous avez la commande floue, d'accord, bah oui, désolé, désolé, désolé. Euh, oui, oui, c'est terrible, Suisse, d'avoir tronqué la phrase. C'est quand même bien dit des, des têtes de compte d'êtres humains, quand même. Alors, vilaine. Euh... Donc la solution grosse me paraît assez naïve pour le coup, lui qui reprochait la candeur des autres, il me semble assez candide quand même. L'artiste révolutionnaire a le devoir de mener une propagande redoublée pour expurger l'image du monde et des forces naturelles, de Dieu et des anges, pour aiguiser l'œil de l'homme, de sorte qu'il y ait un rapport vrai au monde qui l'entoure. Alors il veut expurger l'image du monde des forces surnaturelles, le Dieu et des anges, ben, il veut amener une autre force surnaturelle, on est d'accord. C'est-à-dire, au fond, une émanation spiritualisée de la question révolutionnaire. Enfin, en tout cas, moi, j'entends je, ça. Il y a déjà des, 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 in, comment, des incarnations solides, le prolétariat, donc... Là, l'endroit où il le place est souvent un peu curieuse, ce qui l'amène des fois à cette espèce d'étrange pas de côté avec l'homme qui n'est pas bon, les êtres humains qui créent un système abject. Donc là, on, on veut dire que les, les généralités euh, explosent. Donc euh, le devoir qu'il propose à l'artiste révolutionnaire ne me semble pas expurger euh, effectivement euh, l'image du monde des forces surnaturelles. Il en propose d'autres. Et d'autre part, l'exercice auquel il se livre, c'est-à-dire amener euh, le corps meurtri. Le corps meurtri du prolétaire, pas celui du Christ euh, en croix, hein. euh, le corps meurtri, euh, euh, abîmé par le travail, euh, par la vieillesse, etc., euh, à la surface de la toile, c'est ce que faisait le Caravage. Et le Caravage, c'est une peinture qui est baignée d'un mysticisme profond. Euh... Donc tout ça, et les solutions apportées, proposées par Gros, ne sont pas très intéressantes en fait. Alors, ça existe toujours le cosplay de prolo pour les bourgeois. Le norme corps, c'est ça <laughs> Les symboles depuis longtemps usés, les ravissements mystiques de la plus stupide tromperie sacrée, dont la peinture actuelle regorge, que sont-ils encore censés nous apporter La vie avec ses exigences est si forte que tout ce non-sens peint ne saurait faire le poids. Vous vous interrogez sur la conduite à tenir, sur le contenu à donner à vos peintures Allez dans un meeting de prolétaires. Voyez et écoutez comment des gens, des hommes comme vous, y discutent une minuscule amélioration de leur vie. Comprenez que c'est cette masse qui travaille à l'organisation du monde, pas vous. Et chacun fait ce qu'il peut, euh, Georges. Voilà, à notre mesure, on fait ce qu'on peut. Mais vous pouvez contribuer à sa construction pour peu que vous le vouliez en prenant la peine de donner à vos travaux artistiques un contenu porté par les idéaux révolutionnaires des hommes qui travaillent. Alors, je ne sais pas, tu viens de dire qu'ils cherchent à améliorer euh, par des minuscules euh, touches leur vie. C'est tout souvent un idéal révolutionnaire, ça, Georges. Donc il euh, y a un truc que tu dois comprendre, tu ne peux pas amener dans une phrase deux vérités euh, qui sont concomitantes, hein, certes mais qui disent bien un truc aussi, c'est euh, qu'effectivement, euh, le prolétariat a d'autres chiens à peigner que des ordres du surnaturel futiles, celui de la révolution par ailleurs, enfin c'est pas, pas quelque chose qui fonctionne de, de façon aussi évidente comme une espèce de percolation du discours révolutionnaire depuis euh, les angoisses du prolétariat sur la douleur à vivre, euh, non, enfin, il faut précisément le discours révolutionnaire il est apporté par la possibilité organisationnelle, c'est-à-dire, d'une certaine manière, à des moments dénoncés, oui, qui sont un peu surplombants, etc. Ça ne veut pas dire que... <coughs> <coughs> que euh, comment dire... que la révolution en elle-même ne naisse pas de décor euh, sans programme. Et je pense, moi, qu'effectivement, la révolution en elle-même naît des corps sans programme. Je pense que le moment révolutionnaire, c'est l'émeute, quoi. Euh, après, bon, c'est autre chose qui naît, mais... Pour autant, vous comprendrez bien que la proposition de Grosse, elle, elle porte quand même son poids de contradiction, notamment dans la juxtaposition de ces deux trucs. Ruffin ou Renault. Issus <laughs> ce qui voit juste. Oui, bien sûr. C'est ça, les films de Ruffin ou les chansons de Renault, quoi. Mon, mon Dieu. J'aspire à être compris par tous les hommes. Mais non Mais non, Georges. Peu de temps après toi, il y a un mec qui voudra être compris de tous les hommes. C'est Goebbels, en fait. Tu me fais peur, Georges. <laughs> Je renonce à la profondeur qu'on exige aujourd'hui et vers laquelle on ne peut s'élever sans un costume de plongeur, bourré de tromperies cabalistiques et de métaphysiques intellectuelles. Mais voilà une phrase intellectuelle. L'anarchisme expressionniste doit cesser. Aujourd'hui, les peintres qui ne sont ni éclairés ni en contact avec les travailleurs s'y complaisent nécessairement. Le temps viendra où l'artiste ne sera plus cet anarchiste bohème et confus, mais un travailleur lucide et sain dans la société collectiviste. je ne vais pas faire de commentaires non vous ne m'entendrez pas aussi longtemps que ce but ne sera pas atteint par la masse laborieuse bon, voilà continue aussi longtemps que ce but ne sera pas atteint par la masse laborieuse l'intellectuel blasé continuera de balancer d'un bord à l'autre cyniquement si tu savais ce qui allait se passer dans les Décennies qui suivent, mon vieux. Quand la classe des travailleurs aura vaincu, alors seulement l'art pourra sortir du mince lit où il coule aujourd'hui, exsangue, irriguant la vie, et d'une petite élite fortunée pour de nouveau communiquer à la manière d'un puissant courant avec l'ensemble de l'humanité laborieuse. Bon, là, il aurait dû mener la pensée marxiste jusqu'au bout, puisque pour Marx, l'art est destiné à devenir suffisamment quotidien et ordinaire pour qu'on ait plus besoin de lui. Donc, tant qu'à faire, allons au bout de cette logique. Alors seulement le monopole du capital sur les choses de l'esprit aura pris fin. Je crois pas moi que le capital a un monopole sur les choses de l'esprit. Je crois que le capital a un monopole sur tous les corps, tous. Voilà. Et donc fatalement les productions de tous ces corps, dont les productions de l'esprit, parce que tout pour le capital est appelé à devenir marchandise. Ou tard, quand il le peut, et il le peut presque systématiquement. Offenser assez le capital pour se soustraire à la transformation de ce que vous produisez en marchandises, c'est compliqué. Je dis pas bah, c'est impossible. Mais c'est très compliqué. Grosse et dans les musées. Il vaut très cher. Voilà ce que j'écris à la place des notices biographiques, si appréciées et sans cesse redemandées. Il m'est apparu plus essentiel d'exprimer des connaissances effectives et des revendications universellement valables fondées sur mes propres expériences. Donc des revendications universellement valables fondées sur mes propres expériences. Cette phrase est magique. Euh, plutôt que d'énumérer les hasards stupides et extérieurs de ma vie, tels que le jour de ma naissance, ma tradition familiale, mon parcours scolaire, mon premier pantalon, l'existence terrestre de l'artiste et du berceau à la tombe, sa soif et son ivresse créatrice, son premier succès, etc. Tout ce remue-ménage autour de sa propre personne est totalement dénué d'intérêt. Je suis bien d'accord sur ce final. On s'en fout complètement de la vie des artistes. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. La biographie est en tout point l'exercice le plus stupide et le plus vain qui soit. Il faut vraiment avoir rien à branler de sa vie pour lire des biographies. Je suis d'accord, Georges, pour cette dernière partie. Bon, voilà. Écoutez, les gens, je pense que notre ami Georges nous a un peu perdu sur la fin. Je l'aime bien, mais je crois que là... Comment dire ça Il déconne à plein tube. Je ne sais pas ce que vous en pensez, non Il déconne à plein tube, Jojo. Jojo, tu déconnes. Euh... C'est l'heure d'aller faire un petit raid, évidemment. Hein. C'est ça qu'on fait normalement à la fin d'un petit live. Parce que là, je ne vais pas vous lire le troisième siècle. Le troisième siècle. Le troisième texte, vous voyez, je commence à, à bafouiller complètement. C'est bien la preuve qu'il faut que je me taise. Alors, je vais faire ça. Ça fait 3h30 qu'on est ensemble, ce qui n'est pas mal, ma foi. Et euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fout Alors, il y a Plantophage, il y a Satrapandragora, euh, et il y a Iranon, le cœur R. Discussion, lecture, ré réacte, poésie. Oh, oh bah on peut faire ça. Écoutez, je me souviens plus ce que c'est que ce truc. Moi, ça me plaît bien comme énoncé. Si c'est pas bien, vous me direz. Hein. Mais Iranon. Ah, le long est long. Le cœur. Euh, et c'est ça. C'est R. Ah, le cœur errant. Allez, on... Quel nom? Errant, je ne voyais pas la fin des lettres. Écoutez, on va faire, faire ça si ça vous va. On va se faire un petit machin. Il euh, y avait Donald Trump possible, mais c'est trop tard. Oui, il est un peu tard pour Donald. Euh, voilà. Euh. Bon, écoutez, voilà, je vous envoie là-bas. J'espère que ça va vous plaire. Euh, J'espère que c'est un, un bon live là-bas et euh, que vous avez passé un bon moment ici. Voilà. Minamia, merci pour le live et de rien. C'était bien. J'étais content d'être avec vous. Et euh, bon, je retrouve bientôt. Il est possible qu'on se retrouve même demain. Agnès avait une terrible envie de faire un, un live dessin, donc c'est possible qu'on se fasse ça. Alors peut-être à demain, ciao